Bonjour, bonjour, bonjour. Mon frère Zoku Malagi, comment tu vas? Oui, ça va bien. J'espère qu'on m'entend bien. Parfaitement, correctement, tu as bien fait le ménage. Apparemment, tu as bien fait le ménage. Tout à fait. Ah, Ok. je vois déjà des cœurs, ça fait du bien. Ah, tu vois. Merci à celui qui nous met des cœurs. Merci beaucoup. Excusez-nous pour le retard. Voilà, et Bois Kwassi, il était prêt. Moi, j'avais une petite urgence. Voilà, donc on a tout fait quand même pour être au rendez-vous indiqué. Toutes nos excuses pour le retard. Bonjour à Titine Bléosico, bonjour à toi, gros bisous à toi depuis ta position. Bonjour à, on dit bonjour à ceux qui parlent, hein, qui disent quelque chose. Ceux qui regardent seulement là, on ne dit pas vos noms parce que vous ne nous avez pas permis de dire vos noms. Pour moi, je fonctionne comme ça. Celui qui écrit un petit message, ça veut dire que tu as la permission de me saluer avant qu'on commence le live. Et puis maintenant, ceux qui regardent en cachet, regardez, je ne peux pas dire vos noms parce que on ne sait jamais. Dans le pays là, les gens sont Bon. bizarres. Parce que vous avez regardé la vidéo de fixe, ils peuvent vous classer. Donc, vraiment, protégez-vous. Oui, Bois quoi Zoku. si. Bon, c'est une idée comme ça qui me vient. Hein. Bon, peut-être qu'il y a des gens, ils veulent. Bon, non, je crois que ce que tu as dit est clair. Non, non, il n'y a plus rien à ajouter. Il n'y a plus rien à ajouter. Voilà. Ou alors, peut-être qu'il y a des gens qui veulent amener des commentaires de salutation. Dès que tu amènes le commentaire, tout le monde peut consulter sur le direct, mais peut-être qu'ils peuvent accepter que le commentaire figure, mais il ne faut pas qu'on dise leur nom à haute voix. Je ne sais pas si ça. C'est possible C'est aussi. compliqué. Bon, ceux qui sont dans ce cas-là, vous mettez le commentaire et puis à côté, vous mettez un émoticône de bouche cousue. Là, on sait que on peut regarder, mais on ne doit pas le dire oralement. Bon, je ne sais pas si. Parce que dès qu'ils écrivent quelque chose, Voilà. vous savez, tu sais, des Voilà. gens, il y a des gens qui regardent le live Oui, et c'est qui. ça, c'est ça. Voilà. Dès Voilà. que le commentaire apparaît, d'une manière ou d'une autre, c'est déjà dévoilé. Même si on Voilà, le dit ça, vocalement ou exactement. pas, c'est déjà visible. Ouais, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors que, franchement, on est supposé, enfin, ils sont supposés vivre dans un pays libre. À fait. Dans un pays où tout va bien, où vraiment les gens ont la liberté de discuter, de causer, de se détendre, Tout à fait. d'échanger avec les gens, même s'ils ne sont pas d'accord avec la politique ou un truc, mais au moins on peut échanger tranquillement, sans animosité. Donc les gens, s'ils ont peur de venir seulement écouter une vidéo ou bien dire un petit bonjour à un camarade, à un frère, vraiment c'est dommage. Oui, Mais c'est dommage. comme c'est momentané, donc il n'y a pas de problème. Nous, on continue, on évolue tranquillement, gentiment, et puis on va partager la vidéo à ceux que vous pensez aider ou bien arranger dans la liste de vos amis. Voilà, ne partagez pas ça à n'importe qui. Parce que aujourd'hui, là, n'importe qui ne doit pas être là. C'est très important. Quand on parle de ces choses-là, vraiment, il y a, comment je vais dire ça? Il y a un égrégore qui se fait d'abord pour commencer. Et puis, il y a comment je vais dire ça? Une sorte d'émanation de positivité qui se partage entre nous, même à travers la technologie moderne et tout ça. Il y a quand même quelque chose de positif qui. On s'échange ce genre de choses-là. Et les gens qui ont un esprit négatif, ça risque de leur faire du mal. Ouais. Donc, je vous préviens, il est bon de prévenir les gens. Il est bon de vraiment d'être correct, d'être juste, honnête avec les gens. Donc, c'est pour ça que je préfère prévenir. Si tu as une envie de faire du mal ou bien une envie. Du moins, ta présence est malsaine, avec un esprit malsain. Ah, c'est à tes risques et périls. Mais si vraiment dans ton cœur, il n'y a que de l'amour
n'y a que de la fraternité et vraiment tu as la bonne foi et la bonne volonté pour faire le bien autour de toi, tu es le bienvenu. Voilà, vous êtes les bienvenus. Bonjour, pas de notification, mais heureusement que direct a été annoncé. Flora Tegba, pardon, dit qu'on n'a pas eu de notification pour le live. Oui. Donc, on sait, hein, c'est Facebook, vous savez. C'est Facebook. Mais bon, Maître Zoku, on va y aller. Hein. Oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Il n'y a pas de problème. Donc, je te salue et je te laisse introduire le sujet du jour. D'accord. Merci à vous qui êtes là, qui nous suivez. Merci pour les cœurs qui ont été balancés, les cœurs et les pouces. La dernière fois, on a eu à aborder certains sujets d'ordre spirituel. On a parlé de la notion d'aura. On a parlé des corps subtils. On a parlé du fait qu'il faut faire attention. Il faut savoir choisir ceux avec qui on rentre dans les relations de proximité, d'intimité, de fraternité, d'amitié et tout ça. Concernant l'aura, globalement, on a dit que l'aura, c'est ce qu'une personne dégage lorsqu'on est en présence avec elle, ou bien lorsqu'on la voit, ou bien lorsque on parle avec elle, indépendamment de ce qu'on sait sur elle. Donc voilà, l'aura, c'est ce qu'une personne dégage spontanément. C'est ce qu'on reçoit, ce qu'on ressent quand on est en présence de cette personne-là. Bien avant même que cette personne-là n'ait dit quelque chose, ou bien avant que l'on connaisse le caractère de cette personne. Voilà. Et après, on a parlé de corps subtil. On a dit qu'au-delà du corps physique, et derrière le corps physique, il y a des corps invisibles qu'on appelle corps subtils. Et on a précisé que fallait être clair, l'âme, c'est la part de divinité qui est en nous. L'âme, c'est ce qui est créé à l'image de Dieu. Voilà. Donc, on avait dit que l'âme ne peut pas être mangée, ne peut pas être détruite, ne peut pas être brûlée, ne peut pas être écrasé, ne peut pas être déchiré. On a indiqué que c'est pas abus de langage qu'on dit, on a mangé son âme, on a indiqué que non, on ne peut pas manger une âme. L'âme est éternelle. Que ce qu'on peut manger, c'est les revêtements, c'est l'enveloppe qui entoure l'âme. Voilà. C'est comme si on disait à quelqu'un, ton corps, il est sacré, on peut pas le toucher, mais on peut déchirer les habits que tu portes. On peut déchirer les différentes couches de vêtements. Enlever le manteau, enlever le pull qui est derrière le manteau, enlever la chemise qui est derrière le pull, mais arriver au corps, on n'y touche pas. Donc, c'est un peu une image. C'est ce qu'on avait dit sur le corps subtil. Voilà. On avait aussi parlé des étoiles. Les étoiles. Voilà. On avait dit que les étoiles, ce sont des choses qui sont positionnées sur la vie d'un individu. Voilà. Voilà, c'est des paramètres, c'est des données qui sont positionnées sur la vie d'un individu. On avait distingué deux sortes de données. Il y a des données, si vous voulez, comment on peut dire ça, des données liées au destin, voilà, c'est-à-dire des choses fatales qui doivent arriver forcément, qu'on ait fait ou qu'on n'ait pas fait quelque chose. C'est des données qui relèvent de la fatalité, du déterminisme, qui vont forcément arriver. Voilà, ça c'est des données de destinée, des choses de l'étoile liées à la destinée. Et puis on a parlé de l'étoile qui est liée aux potentialités. C'est-à-dire, c'est des possibilités en l'individu. Elles peuvent se manifester comme elles peuvent ne pas se manifester. Et on avait dit que il se peut que par des forces maléfiques, certaines personnes créent des circonstances extérieures ou intérieures pour empêcher ces potentialités-là de s'exprimer. Voilà ce qu'on avait dit. Ensuite,
Excusez-moi, si vous entendez des petits grincements, vous savez que souvent les lits là se font vieux. Donc, on avait dit que au sujet de l'étoile, voilà, ce sont des données avantageuses, voilà, c'est des grâces, on peut appeler ça comme ça. Dans le langage chrétien, on parlera des grâces. Voilà, c'est des bénédictions positionnées sur la vie de l'homme. Voilà, comme ça. Ensuite, on avait abordé la question des relations. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut éviter dans les... Sur quoi doivent être basées nos relations avec les gens? Voilà. Sur quelle base doit-on rentrer en relation d'amitié, de fraternité, de proximité, d'intimité avec les gens, avec les uns et les autres? On avait suggéré que pour se lier à soi par l'amour, soit par l'amitié, soit par la fraternité, soit par la compétition. Allô? Allô? Ouais, Dizago, bien bonne arrivée. On n'entend plus Maître Zoku. Merci pour les cœurs. Merci beaucoup pour ceux qui mettent les cœurs. C'est important parce que aujourd'hui, là, vraiment, on va parler de beaucoup de choses. On va dire des choses vraiment très, 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 très importantes. Donc, il faut être là. Il faut être là. Pourquoi ça ne peut pas attendre? C'est bon, cas. Écris un message, s'il te plaît, Maître Zoku. Écris un message que je puisse t'inviter à partir du message. Et je vous ai demandé de partager la vidéo à des gens pour qui vous avez beaucoup d'affection. C'est important. Partagez la vidéo à des particuliers, pas à tout le monde. Voilà. La demande est partie. Partagez la vidéo à des gens pour qui vous avez beaucoup d'affection. Ce qu'on va dire aujourd'hui, là, ce n'est pas pour tout le désolé, monde. Désolé. Voilà. Vraiment désolé. Et pour des raisons inconnues, voilà. Là, mon intervention s'est coupée. Je suis sorti carrément du live pour des raisons inconnues. Peut-être que c'est des aléas qui arrivent. Donc, je disais qu'on avait suggéré à nos auditeurs de prendre garde de ne se lier qu'avec des gens avec qui ils se sentent bien. Voilà. On avait invité les uns et les autres à être observateurs. Lorsque vous entretenez un contact, un commerce avec quelqu'un, observez. Observez votre manière de vous sentir. Observez votre sentiment. Voilà. Observez la façon dont vous vous sentez avec cette personne. Si toutefois que vous êtes avec quelqu'un, vous vous sentez bien, vous vous sentez apaisé, vous vous sentez compris ou comprise, vous sentez que la personne est avec vous, vive vos peines et vive vos joies. Et vous sentez que la personne, le contact, la conversation vous fait vous sentir bien. Il faut se baser là-dessus pour continuer à entretenir ou bien raffermir les relations avec cette personne-là. Voilà, c'est ce qui est préférable. Maintenant, il y a les relations d'intérêt qui s'imposent à nous vu les contraintes de la vie. On peut avoir besoin de quelqu'un parce qu'il va nous servir professionnellement. C'est la réalité de la vie. Mais il faut veiller à être quelqu'un de loyal, respecter ses engagements et faire ce qu'on peut pour ne pas nuire à la personne, à son honneur ou à ses biens. Il y a cette loi-là qui s'appelle la loi de Canterbury, un truc de ce genre-là. Ne pas nuire à quelqu'un. Voilà. Mm-hmm. Ne pas nuire à la personne. Qu'on dit de pas nuire, pas d'offense, pas d'injure, pas d'atteinte à son amour propre, et ne pas nuire aussi à ses biens. Voilà. Donc, c'est ce qui est préférable. Voilà. Et on avait dit que parmi tous ceux qui nous séduisent, qui nous plaisent en tant qu'homme spirituel, il faut faire la démarcation. Voilà. La vraie personne spirituelle, elle dégage quelque chose qui t'apaise, qui apaise ta conscience, qui améliore ta compréhension de la vie, qui calme tes angoisses. La fausse personne spirituelle, les séducteurs spirituels,
C'est eux qui font des démonstrations qui te passent, spectaculaires, mais qui n'ont pas de contenu. C'est-à-dire en termes d'amélioration de ton état, en termes d'amélioration de ta façon de comprendre la vie, en termes d'amélioration de toi-même, ta personne, il n'y a pas de contenu. Juste après des spectacles, des manifestations, des démonstrations spectaculaires, ça s'arrête là, ça ne s'arrête qu'à l'émotionnel. Mais en toi-même, tu ne vois pas le progrès que tu fais à la suite de tout ça. Donc ça, on peut dire que c'est des séducteurs spirituels. On a parlé de cette vague d'onction. Ces gens-là qu'on appelle hommes de Dieu, qui font des démonstrations, les gens tombent, ils se relèvent et tout, mais qui dans le fond n'enrichissent pas la vie spirituelle, ne consolident pas, si vous voulez, la personnalité spirituelle des gens. Voilà, globalement, c'est ce qu'on avait dit. Et je me rappelle bien, pour ne pas que j'oublie, il y avait deux questions en suspens auxquelles j'avais promis de revenir. Il y a un de nos auditeurs qui avait demandé, si tant est qu'il existe des corps subtils, quel est donc ce corps-là qui va en jugement, puisqu'on parle d'un jugement, quels que soient les jours. Voilà, il avait posé cette question. Et puis, deuxième question, le frère Bois Kouassi, deuxième élément, le frère Bois Kouassi avait dit que nos pensées en elles-mêmes constituent déjà des protections. Si on a l'habitude d'émettre des pensées, d'émettre, de ruminer ou de nourrir des pensées négatives, on crée en nous une ouverture pour être atteint par des choses négatives. Parce qu'on craint. Voilà. Je corrige bien. Parce qu'on craint, pour être atteint par ce qu'on craint. Parce que notre façon de penser crée comme un code, comme une serrure. C'est-à-dire que si tu penses à quelque chose qui te fait peur, vraiment quelque chose que tu ne veux pas avoir, tu ne veux pas avoir dans ta vie, automatiquement, à l'intérieur des enveloppes de ton âme, tu crées comme des serrures que les clés externes de l'extérieur pourront ouvrir si elles viennent. Parce que tu as créé un état d'esprit, si on peut appeler ça comme ça, qui peut s'ébranler à chaque fois qu'il y aura ce que tu crains devant toi. Ça veut dire que ce que tu crains devant toi devient la clé et ce que tu penses devient la serrure. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, c'est-à-dire, cru distinguer deux choses. D'abord, le fait que entretenir même des pensées positives, des pensées bienveillantes, ça déjà, ça crée déjà une sorte de protection. Oui. Maintenant, là, ce que tu veux dire, là, c'est, moi, je vois ça comme quelque chose de distinct, c'est-à-dire entretenir des pensées positives, c'est-à-dire pensées positives en termes de pensées bienveillantes pour les autres, souhaiter le bien des autres, souhaiter ce qu'on souhaite pour soi-même, ce qu'on souhaite de bien pour soi-même, le souhaiter pour les autres. Là, c'est des pensées, voilà. Maintenant, je fais une petite démarcation. Maintenant, il y a nos peurs, c'est-à-dire les peurs qui nous préoccupent. Voilà, ça, le fait de nourrir, d'avoir l'attention constamment sur quelque chose, en craignant cette chose-là, le fait de craindre constamment quelque chose, ça peut faire advenir cette chose-là. Voilà, je fais une démarcation. Voilà, donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Hein. Voilà. Voilà. Donc, concernant les pensées positives et bienveillantes qui nous servent déjà de première enveloppe, premier halo de protection, il faut qu'on soit clair. Parfois, ces pensées-là, elles sont très bonnes, mais dans le cas par cas, il y a des cas où ça ne suffit pas toujours. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que quelqu'un, il est bon, il est ouvert aux autres, il est serviable, il n'a pas la haine. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans cette disposition-là qu'il ne sera pas atteint par la sorcellerie.
Parce qu'il y a d'autres facteurs individualisés qui rentrent en cours de route, qui rentrent en jeu, pour parler comme ça. C'est-à-dire, il y a la trame de destinée. C'est-à-dire, il y a des gens, à leur naissance, la sorcellerie est déjà positionnée dans leur famille ou sur leur trajectoire. C'est-à-dire, ils rentrent déjà, ils arrivent au monde ici dans un environnement hostile. Lui, Voilà. il n'a rien fait. Mais la sœur de sa maman, qui est sorcière, qui est jalouse, n'attend que la moindre occasion pour frapper ses enfants. Donc, lui, à sa naissance, il est Un exemple déjà. parmi tant d'autres. Voilà. C'est un exemple parmi tant C'est un d'autres. exemple. C'est un exemple. Excusez-moi si vous entendez des petits grincements, parce que je me rends compte que quand je bouge, j'espère que vous n'entendez Non, c'est rien. Hein. bon, allons-y. Voilà. On n'entend pas, c'est propre. Le Voilà. son est propre. Donc, Allons-y. c'est pour dire que quelqu'un peut être bon, peut être un individu sans haine, peut être un généreux, tout, un bon fond, mais il peut être frappé par la sorcellerie. Et de façon même prolongée, de façon vraiment prolongée. Voilà, donc il y a des. Dans la compréhension des choses profondes en spiritualité, on laisse tomber la généralité. C'est au cas par cas. Voilà, donc je Voilà. donne l'exemple de quelqu'un qui arrive dans une famille où la sœur directe de sa maman est une sorcière et elle nourrit une hostilité envers cette femme-là, qui est la maman de celui qui va naître, et cette tante-là de celui qui va naître. Elle est déjà prête pour à la moindre occasion à frapper tous ses nièces, toutes ses nièces ou tous ses neveux. Bon, quelqu'un qui arrive dans un environnement comme ça, ben vraiment, c'est pas facile pour lui. Quelles que soient tes Quelles que intentions, si tu viens, tu soient es tes bonnes gentil, tu viens, intentions, voilà. Donc, il y a des déjà dans gens, le viseur. je veux dire qu'il y a des gens. Ils ne sont pas confrontés à la réalité même de la sorcellerie. D'abord, ils n'y croient pas. Voilà. Leur volonté fonctionne. Lui, quand On il n'imagine même travaille, il a de pas bons que résultats. ça existe. Voilà. Quand il travaille, il a de N'imagine bons pas que ça. résultats. Quand il néglige ses études, il ne bosse pas, il a de mauvais résultats. Donc, ce qu'il rencontre dans sa vie dépend de sa volonté. Lui, il n'est même pas confronté. C'est sa bonne étoile en quelque sorte. Il n'est pas confronté à des réalités de sorcellerie. Il vit sa vie tranquillement. Il ne comprend pas pourquoi les gens parlent de sorciers. C'est eux qui mettent ça dans leur tête. Parce que lui, il n'y a rien de paranormal dans sa vie. Il évolue tranquillement. Il y a ce genre de cas-là. Maintenant, il y a d'autres qui n'ont pas le choix. Ils doivent s'accrocher au spirituel parce que l'étendue des menaces qui pèsent dans leur environnement familial ou bien sur leur parcours. Ça fait que quand eux, ils relâchent la voie spirituelle, ils commencent à être frappés. Il y a des gens comme ça, ils n'ont pas le choix. S'ils ne s'accrochent pas à des choses spirituelles, parce que comme le diraient les gens, on est trop djaouli sur eux. À la naissance, ils rentrent dans un environnement hostile. Il y a certains même, on les guette à la naissance. Déjà même la grossesse de sa maman est sous attaque. On attend comment il va faire pour sortir. On va voir. Voilà, donc, il y a ce cas-là. Voilà, donc, je récapitule. Un, il y a des gens, leur trame de destinée ne les met même pas en situation d'être confrontés Favorable. à la sorcellerie. Voilà, ils ne sont même pas confrontés à ça. À moins que eux-mêmes, là, ils aillent provoquer les sorciers en violant des interdits de façon ostentatoire pour attirer même l'œil des sorciers sur lui, par exagération et maladresse lui-même. S'il ne fait pas ça, il n'est pas confronté à ça dans sa vie. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, il y a le cas des gens, entre guillemets, malchanceux, c'est-à-dire à la naissance même là, on l'attend déjà. L'environnement même est hostile. Ce gars-là, il doit s'accrocher aux choses spirituelles. Quand il baisse dans ses disciplines spirituelles, les problèmes commencent à venir parce qu'on le guette. Ça, c'est deux cas. Maintenant, le troisième cas, il y a des gens qui ont des dettes karmiques. C'est-à-dire, lui-même, là, c'est prévu que les sorciers le fatiguent, quoi qu'il fasse. Quoi qu'il fasse. S'il veut, là, il n'a qu'à aller à l'église chaque jour. Il a des dettes karmiques à payer. Dans une vie passée, il a commis assez d'assassinats.
il a utilisé les pouvoirs psychiques pour faire de vilaines choses. Donc, dans cette vie-là, c'est l'occasion pour les forces de la nature, selon leur verdict, de lui faire payer ce qu'il avait fait avant. Donc, lui-là, maladie, urgence, hospitalisation, même il est bon, mais c'est un déterministe, il doit payer ça. Donc, ce gars-là, la démarche spirituelle qu'il doit adopter, elle est différente des autres. Tu vois? Il va aller dans un camp de prière où on dit qu'il y a un homme de Dieu, un prophète qui guérit. Les autres, en une semaine, ils sont guéris. Mais pour lui, là, il va falloir qu'il fasse 1 an, 2 ans avant d'être guéri. Parce qu'il a des dettes à payer. Ce n'est pas parce que Dieu ne le voit pas, ce n'est pas parce que Jésus ne le sauve pas, ce n'est pas parce que les recettes des ancêtres n'en marchent pas pour lui, mais le poids de la grosse dette qui est sur lui, là, ça doit mettre du temps avant d'être dissolu. Cette dette-là, ça doit mettre du temps avant d'être appuyé pour qu'enfin, il retrouve maintenant son fonctionnement normal. Je voudrais ajouter quelque chose, s'il te plaît, par rapport à ce que tu dis actuellement, parce que c'est très important. Il y a aussi la dette des parents, par exemple. Papa ou maman, ou bien grand-papa ou grand-maman, ont fait des choses qui ne sont pas bien à d'autres personnes. Oui. Et dans le niveau spirituel, dans le niveau supérieur, dans le monde supérieur, les entités voient à l'intérieur de nous ce qui nous tient à cœur. Il y a l'homme, par exemple, qui a que de l'affection pour tout ce qui est argent, son argent, il ne faut pas jouer à ça. Il y en a d'autres, par exemple, leur femme, ou bien des femmes, leur mari. Ah, faut pas jouer le love. Ah, faut pas jouer ça. Et puis, il y en a d'autres, c'est leurs enfants. Mon enfant. Ah, faut pas toucher à mon enfant. Faut pas faire ça à mon enfant. Maintenant, les entités supérieures, comment elles font leur jugement, comme on dit bien, leur sentence. Elles sont les cœurs et les reins, comme on dit. Elles savent ce qui va te faire mal. Et c'est ce qui te tient. Par exemple, si tu es quelqu'un qui est riche, et que c'est là-bas, on doit te frapper, là. Et ben, c'est à ton coffre-fort que ces entités vont s'attaquer. Il va t'arriver des choses bizarres où ta société ou tout ce que tu as monté est en train de se casser la gueule devant toi. Et ton cœur est brisé et tu as mal. Il peut arriver des choses à ton enfant. Ça ne va pas te faire mal. Mais ton argent est en train de finir, là. Ça peut te tuer. Ou bien, c'est ton foyer. Tu es avec ton mari, avec ta femme. Tout est chic, chic, chic. Tu es bien. Et puis, ces entités-là décident à ce moment-là de faire quelque chose qui va faire que toi, là, la personne que tu aimes, là, la personne envers qui tu as tout ton espoir, machin, toute cette personne commence à zaire. Et tu as mal au cœur, tu es brisé, tu ne sais pas quoi faire, tu fais tout ce que tu veux, mais ta vie, là, va se cacher à ce niveau-là aussi. Parce que ces entités savent que c'est ça, là, qui va te faire mal. Et puis, le troisième cas, où il y a des enfants, quand ils viennent au monde, c'est la prunelle, ce sont la prunelle de tes yeux. Mon enfant, il marche, pardon, faut bien marcher, faut pas bien cogner caillou. Mon enfant, c'est lui qui tombe malade bizarrement, c'est lui, vois-tu, cogne, c'est lui qui a des accidents, c'est lui qui voyait à l'école, c'est lui, en tout cas, on va passer par lui pour te faire mal. Vous comprenez, non? Donc, le jugement, là, c'est, la sentence, c'est sur la terre ici. Les âmes, c'est, où l'esprit qui s'en va dans l'autre monde, ce n'est plus la même réalité que nous. Voilà pourquoi beaucoup de gens, surtout ceux qui sont dans la religion, ils ont tendance à personnaliser le monde de l'au-delà. Ouais, on va te juger, on va te frapper, ou bien tu vas brûler dans l'enfer, ou bien tu vas voir ceci, cela. Ça n'a absolument rien à voir. Parce que jusqu'à présent, personne n'est redescendu de ce monde-là pour se plaindre. Parce que moi, personnellement, quand je réfléchis, je me dis, mais si vraiment ce monde-là était aussi mauvais, aussi dur, aussi fort, il y a beaucoup de gens qui allaient revenir. Ils allaient trouver une voie pour revenir. Mais si beaucoup, posez-vous la question, hein, si beaucoup ne reviennent pas, ça veut dire que là-bas, là, c'est une autre dimension qui n'a rien à voir avec la condition humaine et qui est supérieure à la condition humaine, qui fait que personne de là-bas n'a même envie même de revenir sur la Terre pour s'emmerder avec nos vies d'humains. Ça, c'est très important.
Voilà, excuse-moi, Maître Oui, Pou, je non, te laisse continuer. oui, voilà, mon développement est fini. Donc, voilà, j'ai donné trois cas, voilà, par rapport au fait que on peut être quelqu'un de bien, un homme rempli d'amour pour les autres, mais être quand même victime de la sorcellerie. Et puis un autre qui n'est pas forcément un homme bien, qui n'a pas autant de vertus, et puis ne pas avoir affaire même aux sorciers. Mais c'est pas que les sorciers. Hein. On est concentré sur les sorciers, mais il n'y a pas que les sorciers. Il y a d'autres événements même qui n'ont rien à voir avec qui te veut du mal. Voilà. Parce que là, en général, hein, quand on parle de protection spirituelle, protection des mystiques, on parle généralement. C'est contre le mauvais œil. Voilà. Généralement, on parle de sorciers. Maintenant, après, il y a les mauvais œils. Il y a aussi la malchance, tout ça là aussi. Bon, il faut se protéger aussi contre la duplicité des gens. Il n'a pas été arrêté. Là, on peut se protéger de beaucoup de choses. Voilà. Maintenant, concernant les peurs, voilà, les peurs sur lesquelles notre esprit est focalisé, il n'y a personne qui soit sans peur. Il y a toujours quelque chose qu'on craint. Mais là, ce que nous, on veut dire, c'est que la focalisation, le fait de trop focaliser sa pensée, c'est ça qui n'est pas bien. Voilà. On peut avoir peur d'un truc, on prend les dispositions pour se prémunir, et puis on passe à autre chose. Mais être trop focalisé à ça là, moi, franchement, je ne veux pas. Je ne souhaiterais pas avoir tel type de gars. Je ne souhaiterais pas avoir tel type de... Bon, tu le dis en passant et en passant à autre chose, ça passe. Mais la focalisation de ta pensée, ça peut faire advenir ce que toi-même tu n'aimes pas ou ce que toi, tu crains. Moi, j'ai une jeune soeur, quand elle est là, moi, j'aime pas les gars baoulés. Non, les baoulés, chaque fois qu'on cause, elle fait sortir ça. Les gars baoulés, les gars baoulés. Elle a enchaîné trois gars baoulés de suite. Et puis après, elle vient s'asseoir. Curieusement, c'est ceux-là même que je n'aime pas là. C'est ça qui vient sur ma route. Non, il se peut, je ne maîtrise pas les réalités spirituelles, il se peut qu'elle ait fait un peu trop de focalisation. C'est pour ça qu'on dit. Ben, c'est de ça que je parlais tout à l'heure quand je parlais de clé. Ta peur fabrique la serrure et ta pensée fabrique la clé. Voilà. Attire les clés qui viennent vers toi. C'est exactement de ça que je parlais tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est ce cas-là. C'est là qu'on parle de focalisation. On parle de focalisation. Un autre exemple intéressant. L'épidémie de la COVID. L'épidémie de la COVID. Mais à longueur de journée à la télévision. Les gars, moi, je vais vous laisser. Hein. Je reviens. Oui, pas de problème. Pas de problème. À tout à l'heure. Pendant la COVID, on ne pouvait pas respirer. On ne pouvait pas respirer. Les programmes de télé, COVID. Donc, mais ça mettait des gens dans un état d'angoisse. Et même, les gens ne se rendaient pas compte. Mais la permanence des informations dans les oreilles, mais ça les affaiblissait psychiquement. Et lorsqu'on sait que le psychique est lié au corps, mais ça affaiblit leur défense naturelle. Donc, moi, j'ai dit à une de mes soeurs, écoute, tu as déjà eu toutes les informations que tu devais savoir. Faire les gestes barrières, tant. Donc, c'est tout. Tu n'as pas besoin d'une overdose. Ce que tu devais savoir, là, tu as fini. Mais une autre chaîne, on va regarder. Tu n'as pas regardé les statistiques journalières. Oui, entre 15h et 16h, du nouveau cas, entre 20h. Non. Tu vas affaiblir. Tu vas affaiblir ton psychisme et tu vas affaiblir tes défenses. Donc, il faut rester dans l'équilibre. Il ne faut pas dire j'ignore, je fais comme si ça n'existe pas. Non, il ne faut pas faire ça. Mais il ne faut pas aussi être trop focalisé. Donc, cherche une position d'équilibre entre les deux. C'est que moi, je vois. Tu prends tes précautions ordinaires et puis après ça, tu vas à tes occupations et tu t'abandonnes à la providence divine.
Voilà. Donc, c'est un exemple où trop de focalisation sur un péril, ça peut, sans que tu ne t'en rendes compte, attirer la chose. Parce que ta pensée, ton subconscient est focalisé là-dessus. Tu peux même faire des rêves. Ou dans ton entourage, les gens ont eu Covid, à force de penser à ça. Donc, voilà ce que je voulais dire sur les pensées, les peurs qui font advenir ce concret. Je veux donner un exemple aussi personnel par rapport à ce que tu dis. Je t'ai raconté ça en privé, je crois que j'ai fait un petit post dessus, bref là, mais je vais essayer d'expliquer ça aux gens aujourd'hui. Mon épouse actuelle, quand on s'est rencontrés dans les fins des années 80, j'étais dans la ville de Bondoukou et j'avais commencé le théâtre. Et la première année, c'était le succès national, vraiment. C'est là que j'étais à la une de Fatmat, à la une de ID, à la une de tous ces journaux-là, à la radio, à la télé, partout, j'étais là. Et dans la ville de Bondoukou, j'étais devenu comme une sorte de star, quoi. Donc, ça fait que les go, machin, j'étais un tireur d'élite. Ah, je plaisantais pas. Vraiment, les go, là, vraiment, j'ai géré. Et un jour, je me baladais avec mon meilleur ami, Ken Kennedy, il est vivant, donc ça je dis son nom, donc les gens qui le connaissent sauront de qui je parle. Et on était vers le CG de Bondoukou, on se baladait par là, et puis je vois une jeune fille qui vient avec une autre là, qui marchait. Mais la démarche de ce qui m'a frappé, c'était le port altier de la fille qui venait en face de moi, le port altier, c'est-à-dire la tenue de sa tête sur son corps, la manière dont elle marchait avec une certaine détermination et puis une certaine dignité, une fierté. Vraiment, j'ai dit, petit filet fait malin. Oh. Et puis, mon pote m'a dit, ah, celle-là, je la connais, c'est une des petites sœurs à une de mes amies. J'ai dit, ah bon, il y en a, pas mal. Et c'était mon épouse actuelle. Je vous parle des années de fin 80, la fin des années 80. Et automatiquement, je lui ai dit, appelle-la, on va causer un peu. Et il appelle, elle vient avec sa copine, et puis, bonjour, ça va? Oui, bonjour, monsieur, bonjour. Mais la manière dont elle s'exprimait, on sentait quelqu'un qui était déjà déterminé, quelqu'un qui avait déjà, qui savait ce qu'elle voulait, quoi. C'est-à-dire que si son oui, c'est un oui, son non, c'est un non. Il n'y a pas des, c'est-à-dire que moi-même, vraiment, je sais pas. Non, c'était pas ça. C'était oui, oui, pourquoi? Ah non, 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 ça m'intéresse pas. Ou bien oui, d'accord, ok, pourquoi pas. C'était quelque chose de carré et de vraiment, ça forçait le respect. Ça ne pouvait, c'est-à-dire que lui manquait de respect, ça ne pouvait pas venir dans ma tête parce que la personne se tenait bien devant moi et la personne parlait correctement. Je ne parle pas de savoir parler le français forcément, hein, mais je dis s'exprimer correctement. Déjà, c'était un avantage pour elle. Et je lui ai dit, ah, franchement, j'aimerais bien te revoir. Si un jour je reviens, j'aimerais bien causer avec toi. Elle me dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais elle me disait ça à l'époque, parce qu'après on a parlé bien plus tard. Elle m'a dit, mais je m'en foutais, quoi. Elle m'a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Puis je suis parti, on est parti. Et le lendemain, c'était à la sortie de son école, il y avait des gens qui sortaient, tout ça. Le lendemain, il y a des copines à elle qui ont vu la scène, qui sont venues lui dire, hé, toi tu parlais à lui là, tu le connais. Elle dit non. Mais tu ne le connais pas, le gars qui fait théâtre là, Samori là. Ah, lui là, il n'est pas bon. Hein. Lui là, s'il t'attrape, il va te. Comme on est en live, des enfants qui nous regardent. Et puis après, il va te laisser. Hein. C'est ce qu'il fait ici. Elle a dit ah bon. Et elle a dit d'accord, j'ai compris. Mais plus tard, elle m'a avoué que c'est ça qui a fait même qu'elle a dit ce gars là, c'est qui me fait. Attends, moi, je vois bien voir le clair dans lui-même. Vous comprenez? Parce que dès le départ, il n'a pas eu peur de moi. Dès le départ, on lui a donné une image qui était réelle, parce que je tirais, vraiment, je m'amusais pas. Mais quelque part, elle n'a pas eu la crainte de, ouais, c'est le gars. En plus, elle était innocente à cette époque-là, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. C'est clair. Et elle a dit, moi, voilà, je veux voir clair dans ce gars-là. C'est qui, au fait, c'est qui? C'est là qu'elle a eu envie de découvrir l'individu. Et
Je suis revenu le lendemain, je l'ai vu, bonjour, on fait chemin ensemble, je te raccompagne à la maison, d'accord, ok. Et c'est là, on a commencé à parler, et puis, au fur et à mesure que je parlais avec elle, elle se rendait compte que l'image qu'on lui a donnée de moi, là, en fait, ce n'était pas ça. Elle a découvert un monsieur, un jeune homme, qui était quand même assez... Parce que c'est important, quand on vous dit cultivez-vous, il faut être cultivé, il faut savoir avoir une conversation avec quelqu'un, il faut savoir parler de choses, de tout et de rien, mais rendre la conversation intéressante pour que la personne, l'interlocuteur, puisse trouver l'intérêt particulier. Quelque chose que elle apprend ou bien tu apprends, mais une chose est sûre, il y a quelque chose qui fait que tu n'as pas envie de laisser la personne partir parce que tu te sens bien avec la personne avec qui tu es, quand tu écoutes, quand tu parles. Donc c'est comme ça que on marchait ensemble et tout, et puis elle est tombée amoureuse de moi. C'est là, à ce moment-là, qu'elle a eu le coup de foudre. Et puis, on a commencé maintenant à se voir dans la ville en cachette parce que son père était quand même un boss dans la ville et sa jeune fille chérie, ah non, il ne voulait pas que l'individu, là, l'énergumène, là, attrape sa fille. Donc, on était obligé de se cacher et tout ça. Mais, quelque part, c'est comme ça qu'on a commencé à lier, à avoir des liens. Et puis, quand à chaque fois on se voyait et qu'on parlait et que je lui disais mes pensées, mes rêves, on parlait de tout et de rien, c'est là maintenant qu'elle a dit je suis devenue folle de toi parce que la personne dont on m'a parlé au départ n'était pas la personne avec qui je parlais en réalité. Parce que la personne avec qui de qui on m'a parlé et puis la personne avec qui j'étais était complètement différent. Même les filles, parce que je lui ai dit, oui, dans la vie, je lui ai dit la vérité dès le départ. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas donner la chance à la malchance. Dès le départ, je lui dis, ah, moi ici, là, j'ai beaucoup de go, enfin des go, c'est des go, on se voit, et puis bon. Mais j'ai pas d'attache. Je n'ai pas d'attache avec quelqu'un particulièrement. Mais c'est toi que vraiment j'ai vu et j'ai envie d'avoir vraiment une relation avec toi, sérieuse. Et elle n'a pas fait « Ouais, tu vas me blaguer. » Et c'est ça. Non. Directement, puisque je lui plaisais déjà, elle a dit « D'accord, il n'y a pas de problème. » La confiance. Directement, on a commencé maintenant à voir se voir correctement. Et puis, c'est parti comme ça. Et quand on s'est séparés pendant une longue période, c'est parce que moi, j'avais quitté la ville et que elle aussi, elle avait sa vie à part. Je suis allé vivre ma vie maintenant ailleurs, puis la vie nous a séparés, quoi. Et puis, on s'est retrouvés maintenant en 2014 où on a continué tranquillement, où on s'était laissé. Vous comprenez? Donc, quand des gens se rencontrent et que déjà, dès le départ, il y a une osmose spirituelle entre vous qui est basée sur la confiance en soi. La confiance en soi. Tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu vaux. Quand, de l'autre côté, c'est réciproque, forcément, il y a des atomes crochus qui se développent. Et vous commencez à vous accrocher, comme on dit. Vous commencez à vous fixer l'un envers l'autre, pardon, à travers des choses qui sont immatérielles. Je répète, vous commencez à vous accrocher l'un à l'autre à travers des choses qui sont immatérielles. Excusez-moi. Vous commencez à vous accrocher à travers des choses immatérielles. Et dans les relations, que ce soit amicales ou bien quoi, ou bien tout ça, les choses les plus solides sont les choses immatérielles. Excusez-moi. Vous comprenez? Donc, il est important déjà dans les rapports entre personnes et tout ça, bien dans vos rapports, d'avoir des choses qui vous lient de façon immatérielle. C'est important ce que je dis là. De façon immatérielle. Il n'y a rien de plus solide que ça. Il n'y a rien de plus solide que ça parce que on vous a dit, je crois, dans le live la dernière fois que les choses qui se conçoivent dans le spirituel
vous lie dans le physique. Ça vous lie dans le physique. Quand c'est réciproque, voilà le point focal. Quand c'est réciproque. Si parmi vous deux, là, par exemple, dans un couple, il y a une personne qui est vraiment dans cet état d'esprit et puis l'autre n'est pas pareil, ça ne marchera jamais. Il y aura un déséquilibre. Et où il y a déséquilibre, il y a forcément la mer. Il y a forcément les pleurs, il y a forcément la déception. Forcé, il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez pas louper ça. Voilà pourquoi quand vous, on vous drague ou bien, des fois même, il y a des femmes qui ont rencontré l'homme de leur vie, qui leur a dit bonjour seulement, mais l'homme de leur vie les a énervés parce que il n'avait pas le look à ce moment précis là. Il n'avait pas le look qu'il faut, il n'avait pas la gueule qu'il faut, ou bien il n'avait pas le métier qu'il faut, ou bien il n'avait pas quelque chose du physique qu'il fallait pour attirer votre regard. Alors que l'atome crochu spirituel était là. Mais vous n'avez pas regardé le gars parce que c'est, il est gawa ou bien c'est pas votre genre. La go, elle est comme ci ou bien elle est comme ça, ou bien elle n'avait pas les formes que tu voulais. Elle n'était pas comme ça. C'est comme ça que les gens s'en vont dans le trou, comme on dit. On se comprend? Ah, Sonia Andri a fait un peu d'études. Happy birthday to you, Sonia. C'est l'anniversaire de Sonia aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, que du bonheur dans ta vie, que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. Je n'ai pas oublié, je devais t'appeler pour te chanter un joyeux anniversaire, mais j'ai été un peu occupé, mais je le ferai plus tard. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ce que, en effet, les Indiens appellent, les chakras, il n'y a pas qu'un seul, il y a plusieurs, sont comme des clés. Les choses les plus souvent sont des choses immatérielles. Voilà ce que notre frère J.M. Leck dit. Il a parfaitement résumé tout ce que j'ai dit là. C'est dans les choses immatérielles que vous avez les relations, à travers les choses immatérielles que vous avez les relations les plus vraies, les plus solides et les plus longues. Et croyez-moi, des fois, on rencontre des gens pendant notre période de vie, ou peut-être si la relation doit avoir 3 jours, 3 mois, 1 an, 2 semaines, ou bien 1 jour, ou bien 2 heures. Cette rencontre-là est comme dans la vie, chacun construit son puzzle. Vous voyez, non? Son truc. Maintenant, tu places les pièces, tu places les pièces, tu places les pièces. Et puis maintenant, il y a des pièces que tu prends dans des relations avec quelqu'un. Tu prends la pièce et puis tu viens coller. Donc, si la relation que tu as eue avec quelqu'un doit durer 2 minutes, 1 heure, 2 heures, 1 jour, 1 mois, ou bien quoi, ce truc que tu as pris de bon dans ce rapport-là, tu viens pour compléter le puzzle de ta vie. Des fois, les gens, eux, ils pensent que parce qu'ils ont rencontré quelqu'un, surtout les femmes, ça, c'est les femmes, c'est l'homme de ma vie, on va rester à vie ensemble. Non. Des fois, il y a des choses où on se croise, on échange des choses, on apprend des choses, et puis hop, chacun prend sa route et puis on continue le chemin. Ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le truc. Ce n'est qu'un moment, une expérience, quelque chose que vous prenez. Mais il faut faire attention, ce n'est pas avec n'importe qui on se met. Parce que quand vous prenez les pièces de puzzle, vous pouvez prendre aussi les mauvaises pièces de puzzle. Vous venez mettre maintenant dans votre mosaïque qui va ressembler à caca à la fin de votre vie parce que vous avez passé votre temps à prendre les mauvaises pièces avec les mauvaises personnes dans de mauvaises relations. Voilà. Metzoku. Oui. C'est bon? Oui. Voilà, oui. Je voulais donner l'exemple à travers ma relation avec mon épouse. Et puis, j'ai donné maintenant, bon, je te laisse continuer, puis on va évoluer tranquillement. Donc, on parlait de nos peurs et je parlais de l'exemple de la pandémie, de la COVID. Voilà. On disait que c'est tout à fait normal d'avoir des craintes. L'homme, tel qu'il est constitué, il est constitué aussi d'une dose de peur. Peur de la mort, peur des accidents, peur de l'insécurité, tout ça. Mais là, ce qu'on est en train de relever, c'est d'éviter la focalisation de sa pensée. D'éviter la focalisation de sa pensée. Vous savez, à Abidjan, il y a
à Djamé, soit au Nangui à Bourgois, soit au Black. Pendant le jour, dans le commerce normal, l'affluence des gens au marché, des clients qui circulent à Djamé, forum des marchés, Nangui à Bourgois, on dit qu'il y a beaucoup d'agressions, il y a beaucoup de délestages, de pickpocket et tout, et tout, et tout. Donc, il y a des gens, en y allant, ils développent une crainte excessive. J'espère que faut pas les gens venir m'agresser. Ils ont tellement cette pensée-là en eux que d'abord, au premier niveau, je parle de premier niveau, c'est-à-dire là même où on n'est pas, on n'agit pas par perception intérieure, par intuition. Je veux dire, au premier niveau, là où on n'est même pas encore rentré dans les perceptions spirituelles. L'air que tu dégages, à force de penser, les pensées de crainte là, ça va agir même sur l'air, l'image que ta figure dégage là. Ça peut attirer même les prédateurs. Parce que la peur attire les prédateurs. Parce que le prédateur là, lui aussi, il veut la paix. Sa paix, c'est quoi? Il veut briser sa victime sans risque pour lui. C'est ça sa peur. Il te babougou bien quoi, et puis il n'y a rien pour lui. Donc quand il te voit déjà apeuré, mais tu es une bonne proie pour lui. Mais quand il voit... Tu es la proie la plus facile, voilà. La plus intéressante pour lui. Voilà, c'est pas risqué. C'est pas risqué pour lui. Mais il voit quelqu'un qui se fait confiance, qui marche avec sérénité, avec plein d'assurance. Je n'ai pas dit qu'il ne va pas le dépouiller, hein. Mais il n'a pas envie de le dépouiller. Il n'a pas envie, en tout cas. Voilà. La vie de ce gars-là ne déclenche pas la même motivation d'agir que pour un gars dont on sent même la peur dans les manières, dans la démarche. C'est-à-dire que ça, c'est déjà un premier niveau d'illustration de cette chose-là. La focalisation excessive. Toi-même, ça te rend repérable dans la foule. Alors que si tu te vides la pensée, tu fais ce que tu as à faire, tu prends tes précautions ordinaires et tu t'abandonnes à Dieu, tu n'es même pas repérable. Voilà ce que je voulais dire sur les craintes qui attirent ce qu'on craint. Bon, pour rester dans le tempo, la dernière fois, il y a quelqu'un qui, au cours de notre vidéo, avant d'envoyer un commentaire pour nous demander, vous parlez de corps subtil, quel est donc ce corps-là qui sera jugé par Dieu? Voilà. Donc, bon, en matière de jugement, on peut diviser les choses en deux parties. Il y a le jugement sur terre ici. Ce qu'on peut appeler, je ne sais pas comment dire, bon, on peut appeler ça karma journalier. Ça veut dire des choses que tu vas payer ici sur terre pour des actes que tu as fait dans cette vie présente-là. Et le jugement même va te venir. Là, mais c'est dans ton corps physique que tu vas le recevoir. Parce que c'est sur terre ici. Tu vois, quelqu'un, on lui dit, mon ami, ton affaire de femme là, il faut te calmer un peu. Il t'issue tout ce qui bouge. Chez lui, il n'y a pas de discernement. Tu vois, tout crat qui circule, crat dans le langage ivoirien pour ceux qui nous suivent, tout postérieur l'attire. Lui, il ne sait pas se raisonner. Mais ça va lui jouer un sale tour. Lui-même, il va vivre ça ici. C'est dans son corps physique, dans sa vie physique actuelle, mais il va prendre le coup. Ça, c'est un premier cas de jugement. Maintenant, si tu parles, celui qui nous a envoyé le commentaire, s'il parle du jugement dernier après la mort, mais évidemment, après la mort, c'est l'âme qui va être jugée, mais elle n'est plus dans son enveloppe terrestre. Donc, elle n'est plus dans son corps physique. Parce que le corps physique s'est désagrégé, il est mort. Mais l'âme vit toujours. Les sensations sont différentes. Voilà. Donc, il est là, mais l'âme est revêtue de corps subtil. Donc, c'est là qui sera jugée, qui sera confrontée au jugement de Dieu, mais elle n'est plus dans l'enveloppe charnelle, donc elle est dans les corps subtils. Bon, maintenant, je ne sais pas, c'est
quel corps subtil qui sera jugé? Est-ce le corps astral, le corps causal? Bon, vraiment, je souffrais que je sois un peu limité, je ne maîtrise pas ces domaines-là. Voilà. Les gens appellent ça l'esprit. L'esprit ou bien, voilà. Ouais, ton esprit sera jugé. C'est voilà. Vraiment là, tu vas voir ton esprit. Voilà. C'est ça, là, maintenant, que Dieu va te mettre en paix dans le voilà. Feu de la GN. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le corps de l'âme. C'est-à-dire, c'est l'âme en elle-même, sans revêtement. Ça, on appelle le corps de l'âme. Bon, je ne sais pas si c'est ça qui sera jugé, quoi. Mais le corps de l'âme, là, c'est ce qu'on appelle le niveau spirituel le plus élevé. C'est-à-dire, parmi tous ceux qui sortent de leur corps, là, ceux qui ont la capacité de se dépouiller de tous les corps jusqu'à rester uniquement dans le corps de l'âme, c'est les plus élevés spirituellement. C'est eux qu'on appelle les éveillés. Ou bien les illuminés, ou bien ceux qui ont atteint la conscience de Dieu. Mais quelqu'un qui sort de son corps, mais il reste dans le corps astral, bon, il a une avance sur l'homme ordinaire, mais ce n'est pas les plus avancés. C'est pour ça que les sorciers, là, quand un sorcier fait sortir du corps, et puis quand un illuminé fait sortir du corps, il n'y a même pas de différence. Le sorcier ne peut pas l'approcher. Parce que l'illuminé, là, il s'est tellement dépouillé dans de tous ses corps subtils qu'il est resté rien qu'avec le corps de l'âme. Voilà. Alors que qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit l'âme, c'est la divinité en nous, c'est ce qu'on ne peut déchirer, c'est ce qu'on ne peut brûler, c'est ce qu'on ne peut écraser, c'est ce qu'on ne peut percer. Donc quelqu'un qui sort de son corps, mais en se dépouillant de tous les corps subtils, en restant uniquement dans le corps de l'âme, face à un sorcier, lui qui est dans le corps astral et le corps de l'âme, mais ces deux, entre guillemets, ces deux matières totalement différentes. Totalement différentes. C'est comme si un pot de terre venait se cogner contre un pot en béton. Voilà, un pot de fer. Voilà, un pot de fer. Voilà, comme un l'œuf et puis le caillou. L'œuf et puis le caillou. Voilà. C'est encore mieux. L'œuf et, voilà. L'œuf et puis le caillou. Voilà. C'est pour ça que dans les expériences de sortie de corps, il y a sortie de corps et puis il y a sortie de corps. Il y a sortie de corps et il y a sortie de corps. Voilà. Parce que dans le monde, tout est dualité. Si dans le monde de la physique. Voilà. Si les enfants du diable sortent de leur corps, logiquement, par dualité, par symétrie, les enfants de Dieu doivent au moins avoir cette capacité-là. Vous voyez? Claire. Parce que Claire. Même, je prends le raisonnement des chrétiens, c'est-à-dire même dans ce raisonnement-là, ils vont te dire, le diable guérit. À l'opposé, on va dire, Jésus aussi guérit. Ils vont te dire, le diable fait des prévisions, fait des prédictions. À l'opposé, le Saint-Esprit aussi fait des prédictions. Ils vont te dire, le diable donne la richesse. À l'opposé, l'Esprit de Dieu donne la richesse. Donc, si le diable fait sortir ses enfants de leur corps, pourquoi, à l'opposé, l'Esprit de Dieu ne ferait pas sortir les enfants, ses enfants de leur corps? Donc, en soi, la sortie du corps, là, ce n'est pas satanique. C'est qu'est-ce que tu vas faire, là? C'est ça. Je ne t'entends pas, tu as fermé ton micro. Quand l'apôtre, quand dans l'évangile, on dit, c'est l'apôtre Jean qui dit, je fus ravi en esprit sur l'île de Patmos. Je fus ravi en esprit sur l'île de Patmos pour m'amener dans des mondes tels que j'ai vu des merveilles que je ne peux pas décrire avec ma bouche. Je fus ravi en esprit vers des mondes dont la description ne peut pas être faite par la bouche. Je fus ravi en esprit. Ça veut dire que son corps était là, c'est son esprit qui est parti. Mais un chrétien aveuglé par certains enseignements, il ne va même pas voir là une expérience de sortie du corps. Tellement on leur a dit que qu'est-ce que tu fais hors de ton corps? Donc tu es diable. Qu'est-ce que tu fais en de ton corps? Vous faites quoi là-bas même, dans vos trucs là? Vous faites quoi? C'est diabolique. Non! Toute sortie du corps n'est pas diabolique. C'est ce que Chris Allais a exprimé la dernière fois. Chris Allais, à mon avis, ce n'est pas un sorcier, mais il avait des dispositions. Voilà, il avait
des capacités psychiques innées en lui, mais il a fait des expériences où il est allé dans d'autres mondes causer avec des êtres élevés qui lui ont dit certaines vérités. Voilà donc, pour revenir à ce que je disais, quel est le corps qui sera jugé? Si tu parles de jugement de nos actes ici, bon, ça, c'est le karma terrestre, là, voilà. Mais si tu parles de jugement de nos actes après la mort, bon, c'est l'âme qui est jugée, mais l'âme qui est revêtue des autres corps, pas le corps terrestre. Le corps terrestre, c'est quoi? C'est le corps physique, là. Quand on voit la peau, les orteils, le bras, voilà, le bazooka, le poitou, excusez-moi, voilà. C'est l'âme qui est jugée, mais elle ne sera pas dans ce revêtement-là. Voilà, mais maintenant, quels sont les différents niveaux de jugement? Bon, là, c'est des questions que je ne maîtrise pas. Je ne sais pas, peut-être il y aura jugement dans l'état astral, dans l'état éthérique, ou bien dans l'état d'âme pure. Voilà ce que je pouvais dire. Voilà, Boa Kwasi. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, si tu as quelque chose à ajouter, ou bien si tu as une réponse à donner à l'un des commentaires. Non, mais les gens ne posent même pas de questions. Donc, ça veut dire que les gens suivent bien normalement. Hein. Il n'y a rien de compliqué dans ce qu'on est en train d'expliquer actuellement, sinon les gens allaient poser des questions. Et les questions sont les bienvenues, bien même ceux qui veulent participer, vous voilà. Pouvez demander et puis on vous invite dans le live. Voilà. Pour ma part, j'en ai fini. C'était la suite de la causerie qu'on a eue la dernière fois. Ça dépend maintenant de vous. Celui qui veut Est-ce que vous avez apporter, des questions particulières? Celui qui veut apporter un développement, une expérience personnelle, ou bien celui qui veut apporter des précisions, ou bien rectifier l'une de mes paroles, bon, on est prêt à accueillir la discussion pour nous enrichir. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. S'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, vous écrivez simplement en commentaire, on va vous répondre tranquillement, gentiment, ou bien même participer à... Il y a mon frère qui veut participer. Oui. L'anglais... Ah, le temps qu'il arrive. Le grand Fernand Blé. Ferdinand ou bien Fernand? C'est Fernand. Fernand. C'est vachement intéressant. Ma question est la suivante. Entre le rêve et la sortie du corps, quelle est cette différence? Et le frère qui a posé la question, je ne sais pas si c'est Teddy, voilà. C'est Teddy. Bon. Voilà. Bonjour à toi. Bonsoir à toi. Oui, vraiment. Excuse. Pardonne mon rire, parce que souvent, quand je ris comme ça, c'est pas forcément que je minimise la question ou bien que je me moque de la question. Non, souvent, ça m'arrive. Quand quelque chose me met dans l'état de joie, ça m'amène à rire. Le frère Boa Kwasi en est témoin. Il y a des questions qui me mettent en joie. Ça me met dans une sorte d'excitation qui me plaît. Voilà. Donc, le frère, on a un frère qui est là. On va pas lui perdre le temps. Mais on n'oublie pas la question. Allez, c'est le rêve et la sortie du corps. Voilà. Donc, bonne arrivée. Il faut arrivée. Noter les questions. Bonne arrivée, Fernand. Bonne arrivée, Frangin. Est-ce que tu nous entends? Allô? Oui. Oui, ton micro est fermé. Oui. Allô? Oui, on commence à t'entendre. Tu peux y aller. Moi, je n'entends pas. Hein. J'entends rien du tout. Je ne sais pas s'il a des écouteurs. Moi, j'ai entendu « Allô » et puis ça s'est arrêté. C'est moi qui ai dit « Allô ». C'est moi qui ai dit « Allô ». C'est toi qui a... non, Fernand Blé, pour le moment, on ne t'entend pas. On ne sait pas s'il y a un problème. Non. Est-ce qu'on... Je n'ai pas encore reçu... Je ne m'a pas encore dit que je devais participer. C'est mal en tête. J'attends. Ah, d'accord. Non, je te donne la parole. Depuis une minute, je suis en train de te donner la parole. Voilà. Excuse-moi, je n'avais pas compris. Ouais. J'avais pas compris ça. Bonne arrivée, on y va. Merci, mon frère. Oui. En fait, c'était un peu. Il y a quelqu'un qui avait demandé la dernière fois. Oui. Comment on fait pour retenir dans le rêve? La dernière fois, quand j'ai parti à ma dernière participation. Oui. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, la question. Non. Oui, je me rappelle très bien. Ah, d'accord. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question. On va laisser ça, mais. Comme je disais la dernière fois, oui. Que moi, je vois les choses, c'est dans les rêves que tout se passe avec moi. Oui. J'avais dit ça, puis vous m'avez donné un peu des explications. Tout à fait. Vous avez dit un peu comment les gens dépassent. Voilà.
juste encore pour enchérir encore dedans. Mm-hmm. Moi, mon père est mort en 2004. Oui. Papa est décédé en 2004. Oui. Je l'ai vu deux fois en rêve. Oui. Je l'ai vu deux fois dans mon rêve. Mm-hmm. La première fois, il est venu me demander, est-ce que tu as l'argent? Pardon, oui. on était pour planter les obsèques. Hein? Oui. Est-ce que tu as l'argent? Il a dit, mais c'est pourquoi? Est-ce que tu as l'argent? Il dit, bon. Il m'a dit, bon, c'est bon, laisse tomber. La deuxième fois, il est venu, après les obsèques, tout, il est venu. Il s'est arrêté devant la porte. Il a mis le pied gauche dans la maison. Et puis, il nous a vus. Il a vu ses enfants. Il a regardé ses enfants. Et puis, il a dit, ah, vous êtes là. Et il est reparti. Il n'est pas rentré dans la maison. Hein. Il a mis le pied gauche dans la maison. Et puis, il a regardé, il dit, ah, vous êtes là. Et puis, il est parti. Il a donné d'eau, il est parti. Mais ce que tu dis là, oui. Ce que tu dis, Fernand, oui. Il le faisait très souvent quand il venait à la maison. Je me rappelle. Quand il mettait le pied gauche dans la maison, il disait, ah, vous êtes là. Ça va, les enfants. Et puis, il rentrait. Je me rappelle très bien. Je te rappelle. Bonjour. La troisième fois, j'ai fini de faire ma prière. Parce que moi, j'ai eu pour habitude de prier à minuit, après de minuit. J'ai fini de prier. En ce moment, j'ai venu tomber malade là. Et puis, j'ai fini de prier. Et puis, j'entends. Je ne dormais pas, hein. Je ne dormais même pas. Mais quelqu'un me dit, c'est sa voix que j'entendais, la voix du Père que j'entendais. Il me dit, quitte la maison, sinon tu vas pas voir décembre. Décembre 2016, sinon tu vas pas voir. Il dit, hein? Je me suis, tôt le matin, je suis parti. Tôt le matin, j'ai quitté la maison. J'avais fait 8 mois que pas. J'avais fait 8 mois que pas. Et quand je suis revenu, ce qui devait se faire, il avait fini de se faire, tout ce qui devait avoir lieu a eu lieu. Mais le fils du monsieur qui a pris la balle perdue que j'ai envoyée là, de l'autre que j'ai envoyée là, son fils me regarde. Quand je suis revenu à la maison, il m'a regardé. Puis il m'a dit, mais toi, tu es un guerrier. Tu marches. Toi, tu marches. Mais tu es un guerrier. Parce que quand je suis revenu, j'ai marché normalement. Comme si j'avais rien. Mais les séquelles sont là. Pour répondre en fait à la personne qui disait là, qui a posé la question à savoir comment on rentre dans le rêve, comment on peut faire ça. En fait, on ne rentre pas en tant que tel on ne retourne pas dans les rêves en tant que tel. Selon mes expériences, hein. Vous avez nos parents, ceux qui nous ont mis au monde, papa et maman, mais surtout les pères. Quand ils se lèvent tôt le matin, quand tu le vois, ils se lèvent tôt le matin, ils font avant le lever du soleil. Avant, quand les brises, l'eau qu'on tombe le matin, là, les brises du matin, là, ils font tout pour l'arroser, là, voilà. Ils se lèvent avant ça. Quand tu le vois avec un gobelet dans la main qui a de l'eau dedans, il s'en va bénir le sol, bénir tout, prier. Il s'en va prier. Et il attaque comme ça la journée avant de sortir. C'est pas au hasard, ils font ça. C'est pas au hasard. C'est quand c'est comme ça qu'il a fait un rêve qui n'est pas, ou soit un rêve qui n'est pas, ben, il y a quelque chose qui va se passer dans la journée qu'il a senti. Qui va combattre comme ça. Il va demander toute la, comment je peux dire ça, l'autorisation à Dieu, toute la protection à Dieu. Voilà. À Dieu avant de sortir de la maison. Et moi, mon père, à son âme, quand il sort de la maison, et que tu l'appelles pas derrière, il ne revient pas, hein. Il ne revient plus. Quand il est sorti, mais quand il appelle, quand vous êtes en train de causer, vous avez fini de causer, il fait tout ce qu'il a fait dans la maison d'abord. C'est que tu as dit, il faut lui dire en même temps, hein. Si là tu n'as pas dit et qu'il a mis le pied dehors, tout ce que tu vas dire à lui, te coûte plus. Il ne vient pas, hein? Il est parti. Ah, man, c'est quelque chose. Ah, man, c'est quelque chose. Donc, la dernière fois, en fait, j'ai un peu cogité sur tout ce que le grand Djoku m'a dit, en tout cas. Et bon, merci encore. Parce que tu m'as encore ouvert les yeux. Parce qu'il y a des choses que je ne maîtrisais pas, que je ne prenais pas au sérieux, mais là, bon, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris. Merci encore. Oui. Et puis bon, ce que vous faites là, vraiment, c'est bon. Parce que vous faites que les gens soient éveillés. Oui. Les gens sont éveillés. Ceux qui ne comprennent pas, un peu, ils viennent, ils commencent à comprendre. Ce qu'on fait à l'église, il y a beaucoup de choses qu'on a perdu dans les traditions. Hein, dans la tradition, hein, on a perdu beaucoup de choses. Oui. Ce qu'on fait à l'église, ils font pratiquement ce qu'on a fait. Ce qu'on fait dans nos traditions, hein, à l'église. Parce que j'ai suivi une fois un combat spirituel à l'église, un combat, et les mêmes pratiques que nos parents faisaient là. C'est-à-dire qu'ils se mettent dehors, et puis ils l'invoquent là. C'est les mêmes choses que les gens font. Vent d'ouest, vent d'est, vent du sud, tout ça, ils font ça. Oui. Nos parents faisaient ça. Tout à fait. Parce que moi, j'observais mon père. Moi, je suis très observateur. J'observais beaucoup mon père, et je regardais beaucoup ce qu'il faisait. Les gens, ils sont pas allés à l'école, mais ils connaissaient la nature.
Il connaissait tout ce qui s'est passé dans la nature. Il pouvait lire ces choses sans même demander ce qui se passe. Mm-hmm. Bizarrement. On a hérité un peu de ça, Dieu merci. Un peu on a hérité de ça, puis bon. Alors, on regarde. Le monsieur qui a beaucoup, c'est beaucoup hérité, même il croyait qu'il a beaucoup, lui, c'est Amant. Non, il était encore très jeune, donc bon. Ça lui met beaucoup. Pour ceux qui ne comprennent pas, passer le temps. Parce que pour ceux qui ne comprennent pas. C'est ma petite participation. Oui, merci. Le papa de mon frère, c'était le dernier. Mais le réseau est bizarre aujourd'hui, hein? Oui. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui doit être dit sera dit. Le papa de Fernand était le dernier mari de ma maman. Et c'est comme si moi aussi, il m'a élevé, il m'a éduqué. Donc, quand j'allais chez ma maman, les deux étaient ensemble, c'était mon papa aussi. Voilà pourquoi Fernand dit, à moi aussi quelque chose. Parce que, avec lui, je parlais beaucoup. Et il m'aimait beaucoup. Voilà. C'est clair. Les gens sont au courant. Des sont des écoutes, tu sais. Des écoutes, tu sais. Oui. Je te l'avais dit. Voilà. Donc, je voudrais profiter pour essayer, vraiment essayer, hein, les gars, les gars, que tu sois musulman, que tu sois chrétien. Excusez-moi, j'entends du bruit là. C'est... Non, s'il y a des enfants autour de toi, ferme ton micro quand tu n'es pas. Oui, monsieur, l'un d'eux. Non, tu peux rester là. Mais ferme le micro pour que ce qui dit dans le micro. Quand tu veux parler, tu rallumes, tu rallumes. Voilà. Ah, ok. Là. Voilà. Donc je veux expliquer quelque chose de très important. Parce que, vous savez, par exemple, moi, comme ça, les gens disent, ouais, lui, c'est un kamite. C'est les kamites, c'est les gens, les kamites et les kamites, le mot qui est à la mode actuellement et tout ça. Mais en fait, même kamite, la kamite, ça veut dire africain. Déjà, pour commencer. C'est un mot qui veut dire africain. Voilà. Moi, je suis là. J'essaie de m'initier au bossoniste, à l'animisme. J'essaie de m'initier. Je suis en train d'essayer. Je ne suis même pas encore entré dedans. Mais une chose est certaine, je ne suis plus religieux du tout. Ça, c'est certain. Maintenant, il y a des choses que j'ai compris qui font que la peur, la crainte que j'avais avant, quand j'étais religieux, a totalement disparu et ça m'a ouvert l'esprit vers une façon de comprendre le monde qui est... Il n'y a pas match par rapport à quand j'étais religieux. Et puis maintenant, si j'aurais pu être encore religieux, hein, mais j'aurais pas senti cette paix, cette tranquillité aujourd'hui. Parce que peut-être c'était pas fait pour moi. Il y en a d'autres personnes, eux, c'est ça qui va avec eux. Il n'y a pas de problème. Comme si tu es musulman, bien tu es chrétien, on n'a aucun problème. En tout cas, moi, personnellement, je ne peux pas me permettre de me moquer de la religion de quelqu'un. Je peux envoyer des critiques, je peux dire des choses sur le plan factuel par rapport à certaines choses, mais ça ne veut pas dire que je me moque de la religion de quelqu'un. Ça, c'est clair. Il faut que ce soit bien clair. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Et je sais que l'Afrique a besoin de tous ses enfants pour pouvoir sortir du marasme dans lequel elle est aujourd'hui. Là. Les injustices, les inégalités à travers le monde que les Africains subissent actuellement. Là. Pour sortir de là, nous avons besoin d'être unis. Donc, pour moi, la solution, c'est quoi? C'est que tu sois une rivière, que tu sois un fleuve, que tu sois un affluent, que tu sois un cours d'eau, que tu sois un ruisseau. Nous tous là, quand on coule, on coule, on coule, on s'en va vers la mer. On s'en va vers la mer. La mer, c'est la liberté totale de l'Afrique. Quelle que soit ta façon de prier, ta façon de faire quoi. Le plus important, si dans ta tête là, tu es conscient que tu n'es pas libre et que tu veux être libre, nous tous là, on marche tous vers la même direction. Chacun a sa façon de marcher. Mais une chose est certaine, on a tous la même volonté, c'est d'être libre et de réussir ensemble. Vous comprenez? Donc, je ne pourrais jamais dire à quelqu'un, non, laisse ta religion, laisse ton truc, et puis viens chez moi. Non, chez moi, ça ne se fait pas. C'est mon état d'esprit, ma façon d'être, peut-être qui va faire que quelqu'un, hey, mais ce que tu fais là, c'est comme moi-même. Mais comment tu fais? Et puis, je t'explique. Maintenant, quand toi, tu vois, tu essaies, ou toi, tu vois que ça correspond à quelque chose qui te fait du bien, tant mieux. Si ça ne te fait pas du bien, tant pis, tu continues dans
ce que tu étais. Mais il n'y a pas la force dedans. Il n'y a pas la guerre dedans. Il n'y a pas forcément j'ai raison ou bien toi tu as tort. Non, la seule chose qui compte dedans, c'est le bien-être dans ton corps. Tu es tranquille, tu es en paix avec toi-même. Donc, je vais essayer de vous expliquer certaines choses qui m'ont fait aller dans la direction dans laquelle je suis actuellement. Je me suis posé la question, qui suis-je? D'abord, physiquement. Je regarde mon corps. Et puis maintenant, je m'en vais chercher dans les bouquins. Le corps humain, il est formé d'eau à 80%. Je dis bien l'eau hein, à 80%. Donc, quand je regarde la Terre, vue d'un satellite, quand on regarde la Terre, on l'appelle la planète bleue. Pourquoi la planète bleue? C'est à cause de la mer, l'étendue de la mer, sur toute la... c'est plus que l'étendue de la Terre. Donc, ça veut dire que il y a beaucoup d'eau à 80% sur le globe terrestre. Donc, moi et puis la Terre, on est en symbiose sur ce plan-là. Je suis fait 80% d'eau. Le reste, là, il y a la Terre dedans. La Terre, là, c'est la chair, le solide, là. Les os, tous les minéraux qui sont dans moi, là. Et puis maintenant, les cellules qui font que élastique, qui font que j'ai la peau, j'ai la chair, j'ai les muscles et tout ça. Pour moi, c'est ça que quand on meurt, là, on te met dans la tête, tu deviens poussière. Ça devient de la poussière. C'est manger, ça sèche et ça devient de la poussière. Donc, c'est la terre. À ce deuxième niveau, moi-même en tant qu'être humain, je suis directement connecté à la terre encore une fois. Troisièmement, le sang qui coule en moi, qui est composé de milliards et milliards et milliards et milliards de globules rouges qui sont remplis d'oxygène pour pouvoir alimenter les cellules pour que je reste vivant, que je puisse me mouvoir et tout ça, c'est l'air qui m'entoure, qui entoure la planète. Ça encore, ça fait partie de la Terre qui me connecte directement à la Terre. Et finalement, quand je me touche comme ça, et que je mets ma main, par exemple, sous mon aisselle ou bien un truc, je sens une chaleur. Je sens une chaleur, oui, il y a une chaleur sur moi. Si vous pouvez vous toucher vous-même chez vous là-bas, vous allez voir que votre corps est chaud. Ou bien si vous êtes malade, votre température augmente. Il y a quelque chose de chimique dans mon corps qui fait que j'ai de la chaleur dans mon corps. Quand tu regardes dans le noyau de la Terre, il y a une boule de feu qu'on appelle le magma qui fait que des fois, quand ça veut sortir, là, c'est là-bas, ça sort dans les volcans, ce qu'on appelle les volcans. Ça rentre en éruption, et puis vous voyez le liquide rouge là, à l'intérieur de la Terre. Là. Il y a ça aussi. Ça me relie. C'est-à-dire, la chaleur, c'est la température de la Terre à l'intérieur. Là. C'est le même système qui fait qu'à l'intérieur de moi, il y a, pendant que je suis vivant, hein, pendant que mon corps est vivant, il y a aussi cette osmose de chaleur. Et en plus de ça, en plus de ça, il y a le côté où mais le soleil qui envoie des rayons sur la Terre pour réchauffer certaines parties de la Terre et tout ça, et surtout pour faire créer l'osmose avec la chlorophylle pour faire l'oxygène qu'on respire, il y a une connexion aussi. Donc, je me sens connecté avec la Terre de façon pleine et entière, totalement. Je suis un élément de la nature aussi, dans mon espèce. Donc, à partir de là, pour moi, quand je parle à l'eau, quand je bois l'eau, quand je respire l'air et que je parle et que mon souffle sort de mon corps et que je pense et tout ça, pour moi, je suis en osmose, en connexion, je fais partie de la nature. À ce moment-là, mon monde est dans le physique, est relié directement à la Terre. Donc, par rapport à tout ça, je me sens vraiment dans mon élément. Je suis pas dans les trucs du ciel, je sais pas, un autre. Non, je suis là. Pendant que je suis encore vivant en tant qu'être humain, je suis là. Maintenant, je vois ici Monique Chebisson qui dit « Je ne suis pas d'accord pour moi, la libération ne viendra que lorsque la majorité des enfants de Kabbalah seront affranchis de ces religions et qui ont été imposées. » Ah, d'accord, ok, ça, c'est un autre domaine encore. Mais je vous explique, en fait, ce qui fait que je me rends compte que je fais partie de la nature.
Pour moi, déjà, faire partie de la nature, c'est tout. C'est tout ce que je... Et ça m'a rendu encore plus conscient, personnellement, par rapport à qui je suis. À partir de là, je me suis apaisé. Mais alors là, mais apaisé d'une façon que vous n'avez pas idée. J'avais des craintes avant, j'avais des peurs par rapport à certaines choses et tout ça. Et ma femme me dit souvent, mais toi, maintenant, tu es toujours zen. Tu as quel problème? Il y a un truc qui vient haut. Tu es zen, tu es tranquille. Il y a quelque chose qui est là-haut. Tu es zen, tu es tranquille. Je dis, ouais. Parce que s'il y a des soucis, s'il y a quelque chose, forcément, si toi et moi, on n'a rien fait de mal à quelqu'un, si on n'a aucune intention, c'est la loi de la semence. On n'a rien semé de malsain, de mauvais. Il n'y a rien de malsain et de mauvais qui va nous atteindre. Ça peut nous effleurer, ça peut tourner autour de nous, ça peut passer à côté de nous, mais nous, là, ça ne va jamais nous traverser, ça ne passera pas par nous. Ça, je te le dis. Voilà pourquoi je dis que la bonne foi, la vérité est la meilleure protection contre n'importe qui et n'importe quoi. Metzoku. Oui, à mon avis, hein, ce que tu dis est très bon. La vérité, la bonne foi, ça a l'air d'être des paroles naïves, mais c'est effectivement, c'est-à-dire apprenons. C'est vrai qu'il y a des circonstances de karma. Tout à l'heure, je parlais là des dettes karmiques et tout, mais déjà à notre niveau là, ce que nous on peut faire pour créer une première couche de protection là, avant que d'autres facteurs ne rentrent en compte, c'est très bon. C'est-à-dire, apprenons à avoir le cœur d'enfant. Parce que, excuse-moi, si je rentre dans la chrétienté, rappelez-vous ce que Jésus a dit. On chassait les enfants, il était quelque part là, en plein air, il enseignait, et puis les gens, oh, mais écoutez, les enfants là, vous nous perturbez. Et puis Jésus a dit, non, laissez venir à moi les petits-enfants. Parce que, à moins d'avoir le cœur d'un enfant, vous ne rentrerez pas au royaume des cieux. Maintenant, il y a plusieurs façons de comprendre. Comment avoir cœur d'enfant? C'est quel genre de cœur d'enfant? C'est de quel genre de cœur d'enfant Jésus parle? Un, pour revenir à ce qu'on disait, la focalisation sur les peurs. Un enfant, là, quand il marche avec son papa la nuit, là, lui, son problème est réglé. Son papa dit, suis-moi, je suis son papa. Son problème, c'est quand il va grandir, là, qu'il va commencer à faire attention aux petits cris des grillons, qu'il va dire, ah, mais ça, c'est quoi ça? Ah, sinon, quand il est vraiment enfant, là, la vraie innocence, là, ton papa dit, suis-moi. Sa main est la main de son papa. Son épaule est contre les cris de son papa. C'est fini. Lui, il a oublié. Pour faire une digression, un jour, il y a un de mes amis là qui avait une relation très fusionnelle avec son petit. Je devais avoir moins de 3 ans. Et puis, la Noël approchait. Il dit, papa, ah, cette année-là, il faut me faire un gros cadeau. Hein. Je veux que tu m'offres un bus. C'est rigolo. Mais cette parole-là, ça dépend de comment il voit son papa. C'est parce qu'il voit son papa comme l'adjoint direct de Dieu, qu'il pense que son papa peut lui acheter un bus. Il y a un proverbe africain qui dit que l'enfant pense que son papa a la plus grande plantation du monde. C'est parce qu'il ne connaît pas la plantation des bédiers, il ne connaît pas penser à un nouveau fou, mais lui, il s'en fout de ça. C'est pour son papa-là qui est plus grand. Pour revenir à quoi? Avoir un cœur d'enfant, ça veut dire quoi? Ne pas se surcharger la tête de choses inutiles. Avoir le cœur tranquille et léger. Tu arrives quelque part. Tant qu'on ne t'a pas dit que lui, là, il veut du mal contre toi, non, toi, il ne t'a pas dit. Donc, toi, tu n'es pas informé, tu avances. Voilà. Ne pas se charger de... Comment on appelle bon. L'enfant, là, quand vous voyez les enfants, là, on lui présente des nouveaux camarades de son âge. Il les salue, ils vont jouer ensemble. Bon, lui, il n'a pas de problème, il joue tant qu'un truc n'est pas venu les perturber. Lui, il prend la chose du bon côté, il joue avec ses amis, il vient, ah, voilà ton ami, il joue avec lui. Il est innocent, il ne se prend pas la tête.
Bon, ça c'est un. Et de deux, quand on dit le cœur de l'enfant, c'est-à-dire nous qui cherchons la voie spirituelle, nous, on doit se représenter par l'enfant. Et puis, Dieu, c'est un peu le papa. Voilà. Donc, c'est pour dire quoi? On se vide les pensées, on se vide le cœur, on ne prend que ce qui est positif, voilà, on ne se charge pas la tête de choses négatives, on fait ce qu'on peut, honnêtement, une fois que tu as fait ce que tu peux là, dis-toi que j'ai fait mon devoir et le reste, je m'abandonne à Dieu. C'est un peu comme ça que moi je comprends avoir un cœur d'enfant. Ne pas se surcharger de pensées inutiles, ne pas s'encombrer l'esprit, mais il faut avoir la conscience du devoir accompli. C'est-à-dire, quand toi-même tu t'assois là, vraiment, honnêtement, excusez-moi, je reconnais que moi, Zoku Managi, vraiment, sincèrement, j'ai fait ce que je pouvais faire. J'ai fait ce que mes forces me permettaient. Le reste, j'abandonne ça entre les mains de Dieu. C'est-à-dire, il ne faut pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. Il y a des choses là, ça ne relève pas de tes forces. C'est comme ça que moi, je comprends la chose. Quand Jésus dit, à chaque jour suffit sa peine, le cerveau humain, là, il est trop petit pour penser à tout, pour prévoir tout à l'avance. Même un bon mathématicien, il ne peut pas faire un calcul qui intègre tous les paramètres. Ce n'est pas possible. Fais ce que tu peux et le reste, abandonne-toi à Dieu. Ce que j'appelle le cœur d'enfant. Et ça, c'est une attitude même qui protège. Tu fais ton devoir, pas de manquement. Tu fais ce que tu estimes bien en âme et conscience. Tu veilles à ne pas te surcharger de pensées compliquées. Pourquoi lui, là, il est comme ça? Pourquoi lui, là, il est comme ça? Il t'a fait du mal, là. Prochainement, tu changes de rue pour ne même pas avoir affaire à lui. Il ne faut pas te mettre dans une situation où il va t'énerver et puis tu vas ruminer ça. Lui, il a fini, il t'a énervé, là, il est passé à autre chose. Maintenant, toi, tu rumines la parole qu'il t'a adressé, tu rumines, pendant que tu rumines, lui, il est en train de grès. Mais toi, tu souffres de la parole qu'il t'a adressée. Donc, prochainement, là, pour ne même pas avoir l'occasion d'avoir mal, là, tu le vois, change, bonjour, et puis tu contournes ta route. Tu ne lui manques pas de respect, mais tu t'éloignes pour ne pas ouvrir la porte à ces sentiments-là qui vont te fatiguer. Parce que quand tu as mal de quelque chose, quand tu rumines, mais est-ce que tu te sens bien? Même quand tu es énervé, là, est-ce que toi-même, tu te sens bien? L'énervement, est-ce que c'est un bon état? Donc, quand tu vois à distance, tu vois celui qui peut t'énerver, mais voilà. Donc, pour revenir à ce que Boakwasi disait, quand on dit qu'il faut avoir de bonnes pensées, là, mais faut pas seulement voir les pensées, il faut se nourrir de bonnes émotions. Voilà. De bonnes intentions. Voilà, intentions et émotions. C'est-à-dire, créer les circonstances pour être dans un bon état émotionnel. Créer les circonstances pour être dans un bon état émotionnel. Tout ça, là, ça peut rallonger ta vie. Exactement. Ce que tu as dit, c'est très important. Voilà. Ah ouais. C'est pour ça que il faut cultiver la joie de vivre. Mais ça ne veut pas dire l'inconscience. Non. Cultive la joie de vivre. Voilà. Approche-toi des gens avec qui, quand tu es en leur compagnie, là, tu n'as pas envie de critiquer les gens. Quand tu es en leur compagnie, vous parlez de choses qui peuvent vous instruire. Quand tu écoutes la bonne musique, ça, c'est des bonnes émotions. Les bonnes émotions, là, c'est aussi une nourriture spirituelle. Oui. Voilà. De temps en temps, fais-toi bien, habille-toi bien. Quand toi-même, tu te regardes dans le miroir et que tu es content de toi, là, c'est une bonne émotion. Ça te fait vivre. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais dire. Il faut se compléter. Je vais compléter. Oui. Et puis, on va laisser la parole à Dizago. Oui, à Dizago. Il faut se complimenter. Il faut s'accepter. Il faut se regarder dans la glace avec un cœur tranquille, surtout parce que si jamais vous avez fait de vilaines choses, quand vous regardez la glace, c'est fatigant. Oui. C'est fatigant. C'est très facile. Mais quand tu as le cœur en paix et que tu te regardes dans la glace, tu es content. Tu es content. Et je vais revenir sur ce que Monique Tchèblisson disait tout à l'heure, Maloulou, qu'il faut forcément pouvoir changer, que toute l'Afrique
se change de façon de penser. Ma petite sœur, je vais te dire une chose. Jamais, au grand jamais, sur la terre, il y a un peuple qui a pensé de la même façon dans toute son entièreté. Il y a toujours eu des gens qui ramènent dans un sens et puis d'autres qui ramènent dans l'autre. Maintenant, c'est la force de ceux qui ramènent dans le bon sens pour pouvoir ramener tout le monde dans le bon état qui a souvent gagné. On ne pourra jamais changer la tête des autres. Et puis d'ailleurs, même, on ne doit même pas avoir cette prétention. On ne doit pas avoir cette prétention de nous sentir pas mieux que les autres, mais obligés que les autres suivent notre chemin pour que les choses fonctionnent. Non. Nous, dans notre façon, dans notre état dans lequel nous sommes, j'ai pas eu dans notre état d'éveil, nous devons juste faire ce que nous devons faire. Et c'est notre exemple, notre façon de faire, normalement, qui doit attirer les gens vers nous. Non. Normalement, c'est pas une obligation. C'est-à-dire que, par exemple, si les chrétiens, leur façon de vivre, là, ça me jaille tellement, je suis tellement content, je suis tellement fort que j'ai envie de devenir chrétien, c'est leur comportement qui m'a attiré. Et vice-versa. Mais dans sa majorité, là, peut-être que tu ne sais même pas que la majorité des Ivoiriens, des Africains, commencent à penser différemment. Mais seulement, les gens qui tiennent les pouvoirs, les gens qui tiennent les décisions, qui sont les décisionnaires, c'est eux qui font les blocages. Sinon, beaucoup de gens qui ne parlent pas, qui ne manifestent pas comme nous, sont dans un état d'esprit qui ressemble à ce que nous faisons actuellement. Donc, il faut faire très attention à ça parce que ça émane de nous-mêmes d'abord, cette volonté, bien cet énervement-là, envers d'autres personnes qui ne pensent pas comme nous, qui ne font pas comme nous. Ça nous met dans un état déjà qui n'est pas favorable à cette osmose, à cette symbiose-là. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est très important. Parce que cette façon de vibrer à l'intérieur de nous, des fois, nous fait, rien qu'avec un énervement, bien, un agacement, un simple agacement, ça peut nous faire vibrer de façon négative et nous envoyer maintenant sur la mauvaise direction. C'est très important ce que je te dis là. Il faut être tranquille avec toi-même, en paix avec toi-même. Sois comme la bulle dans la boue. C'est-à-dire que la boue autour, là, ça peut être ça, comment ça peut être comme ça, mais toi, à l'intérieur de toi, tu es propre, tu es clean, tu es tranquille avec toi-même. Même les autres, là, ils ne te dérangent pas. Même s'ils font les autres, ils ont quoi, là, ça ne te dit rien. L'essentiel, c'est que toi, à l'intérieur de toi, tu es au top, tu es bien. Là, tu vas à marcher droit. Tu comprends, mais tu n'es pas d'accord. Avec toi, que tu ne sois pas d'accord, c'est ton droit. Heureusement d'ailleurs, et c'est ça j'adore chez toi, ta franchise. Mais pour moi en tout cas, parce que je peux même pas t'imposer ça à toi non plus, pour moi en tout cas ça marche. J'ai appris ça, avant j'étais un peu comme toi, je suis pas d'accord, non, il faut que, mais au fur et à mesure je me suis dit que ça sert à rien de forcer, ça sert à rien de regarder les autres et puis avoir cette impression que eux ils sont dans le faux. Je sais pas si je me fais comprendre. Dis alors. Yeah. Ayoka. Ayoka, ka. C'est comment? Ben bah, voilà, on est là. Hein. Non, il n'y a pas de problème. La Danoise a été contactée bien avant le live. Elle dit quoi? Donc, la suite dépend de ta bienveillance envers nous. Voilà. Ah bon? Parce que souvent, tu minimises ce qu'on te dit. Bon, et écoutez, à nos auditeurs, là, c'est notre habitude, hein. Après avoir déroulé des paroles concentrées, sérieuses, on détend un peu. Et souvent, c'est sur la tête de 10 à quoi qu'on se décharge. Voilà. Et on lance un peu la vie, là. Toute personne susceptible de nous mettre en contact avec une Suédoise ou une Danoise, tu les aimes comme en blonde, non? Et prier de rentrer en ligne, donc contacter Bois Kwasi. Voilà. Oui, donc, j'ai envie de mettre. Allons-y. Pour ta participation. Ouais, c'est ça. En tout cas, merci. Bon, je vois le sujet, hein. Mmh. Bon, j'avais dit que je revenais. Oui. Je reviens là. Bon, je vais juste intervenir. Je suis dans un lieu d'événement avec des stands.
Je vais juste intervenir et après vous laisser, quoi. D'accord. Mais je vois que vous parlez des relations, la positivité, de la réussite des relations humaines et conjugales aussi sentimentales. Voilà, donc. Voilà, donc c'est un bon sujet parce que je veux dire, c'est un peu central à la vie humaine parce qu'une personne qui n'est pas heureuse avec elle-même dans son couple ou bien qui n'est pas en paix avec elle-même, ça va se ressentir dans la famille, sur le plan professionnel et puis partout, quoi. Oui. Donc c'est important. Mais pour le dire, parce que moi j'arrive. En 2020, dans le coronavirus, comme je suis un peu, j'ai une boîte de formation dans le renforcement des capacités. Oui. J'avais fait un séminaire avec des femmes de la banque ici au Sénégal. Les femmes ont beaucoup de problèmes conjugaux. Les divorces se font, les mariages font une semaine, trois mois. Et j'avais dit comme ça que j'allais monter une boîte dans un séminaire. J'ai fait un peu une petite virgule sur les relations en général et on m'a suggéré mais tu peux pas faire un truc comme ça sur le conjugal. Et puis j'ai monté une boîte comme ça. Je dis ça comme ça, une boîte dans le conseil conjugal pour m'amuser, hein, comme ça je rigolais. Mais je vous dis que dès que j'ai créé ça net, j'ai fait les pages, tout ça là, mais mon téléphone sonnait presque tous les jours. Ça veut dire que l'homme a beaucoup de problèmes de ce côté-là. Les divorces ont augmenté, les relations entre les gens ne vont plus. Le mariage, ce n'est plus comme c'était avec nos parents avant. Maintenant, ça, voilà, il y a beaucoup d'inconvénients, quoi. D'échecs de ce côté-là. Et j'ai remarqué qu'en fait, que toutes les personnes avaient le même problème. C'est un problème de base. C'est la non-connaissance même de la vie même sur Terre. Qu'est-ce qu'on fait sur cette Terre? Si vous avez compris ça, vous allez appliquer la même chose dans le mariage, dans vos relations amicales et dans vos relations professionnelles. C'est pas seulement d'être heureux sur le plan conjugal. C'est d'être heureux, comme vous avez dit là, soi-même, de s'accepter soi-même et de créer, comme on dit là. Ah, j'espère qu'il n'a pas été coupé. Hein. Pourquoi est-ce qu'on se marie avec les ampoules dans nos maisons? Parce que c'est naturel. La lumière chasse tout ce qui est obscurité. Ouais. Les kafas, ils vivent dans les lieux où c'est sombre, où il n'y a pas de lumière. Mais dès que vous ouvrez et qu'il y a la lumière, il y a l'air, les kafas, ils s'en vont. Les moustiques, c'est comme ça. L'être humain doit comprendre cette base-là pour dire que là où il y a l'obscurité, où il y a les mauvaises pensées, il n'y a jamais de progression spirituelle et physique aussi. Donc, on devait nous apprendre ça depuis qu'on est petit. Nos parents devaient nous faire asseoir pour dire que voilà, mon fils, dans tout ce qui va se passer dans la vie, tu auras des problèmes dans la vie, sur tous les plans. Mais cultive ça, la lumière dans ta vie. Le soleil que tu vois, là, chaque jour, il se lève et il éclaire la terre. Il nourrit la plante, il nourrit les eaux, il nourrit les êtres humains, il nourrit tout. Et c'est là qu'on enlève pour manger. Gratuitement. Voilà, il faut gratuitement. Et donc, il faut que tu sois un soleil dans la vie. Là où il y a l'obscurité, il faut que tu éclaires. Il faut que tu sois une bougie dans une chambre, il faut que tu éclaires. Cultive tout ce qui est positif. Ouais. Et je pense que depuis qu'on était petit, on n'allait pas garder certaines choses négatives en nous, on allait cultiver le positif, on allait grandir à ça. Mais malheureusement, beaucoup ont vécu dans tout ce qui est obscurité, dans le doute de soi-même, dans tout ce que vous voulez, et ils ont grandi à ça. Et malheureusement, ils rentrent en amour dans les mariages avec ce comportement-là. Ouais. Voilà la base de tout. Hein. Moi, j'explique ça comme ça, c'est que on a été peut-être, je dis pas, notre éducation n'est pas accomplie de ce côté-là, et on allait rentrer sur le plan professionnel, sur le plan conjugal, avec ces démons-là, avec ces comportements-là. Et forcément, si tu as ça en toi, tu es égoïste, tu sais pas partager, tu vas faire le plus grand mariage du monde, ça va agir dans le mariage. Tu sauras pas partager, et demain, ça va créer le problème. C'est la base pour moi, c'est ça. L'être humain doit comprendre tout ce qu'on va lui dire. Qu'il est un soleil, il doit être le soleil pour lui-même et pour les autres. Chaque jour, il doit éclairer la terre. Chaque jour, il doit éclairer lui-même sa vie et la vie de là où il est professionnel, de sa famille, tout ça. Voilà. Parce qu'on n'a pas le temps sur la terre, on va mourir demain. Mais demain, tu vas arriver chez Dieu, il va retenir quoi de toi? Est-ce que tu as apporté un rayon de soleil dans la vie des gens? C'est ça, quoi. Et si tu agis comme ça, c'est vrai, tu auras des échecs, mais les gens vont retenir de toi que tu es une bonne personne. Et même si après un divorce, les choses n'ont pas marché, ils reviendront toujours vers toi. C'est ça qu'il faut retenir. Ou bien si tu es dans les relations personnelles avec les amis, ça s'est cassé, mais les gens vont reconnaître que tu étais une bonne personne. C'est eux qui vont revenir vers toi. Donc, mais c'est de cultiver qu'on est le soleil. Il faut voir l'image du soleil et qu'on doit éclairer partout où on est. C'est comme un verre d'encre qu'on est. C'est un philosophe qui disait ça.
On met le verre d'encre sous un robinet et on laisse étioler un peu le robinet chaque jour. Chaque goutte qui tombe, chaque jour, vous allez voir qu'à chaque fois que la goutte tombe dans le verre d'encre, le verre d'encre va s'éclaircir, va se rendre pur. Donc, en fait, on est sur cette terre pour se rendre pur par les bonnes pensées. Les bonnes pensées, c'est quoi? Il y en a trois. Il y a on appelle ça le PPA, la pensée, la parole et l'action. Vous touchez votre tête, vous touchez votre bouche et vous touchez vos mains. Voilà ce qui nous définit les trois éléments, pensée, parole et action. Ces trois éléments-là, on doit toujours être positif tous les jours, cultiver le bien, le bien, le bien, le bien, le bien. Quelqu'un va t'énerver, mais le bien, pardonner et partager. Quand on rentre en amour avec ces principes-là, tu donnes à la personne sans en attendre rien en retour. Lui aussi qui est en face de toi, s'il a été éduqué de la même manière que toi, s'il doit donner sans rien attendre en retour, ça fait, on appelle ça, c'est la route en fait, en double sens. L'harmonie. Lui, il donne, toi, tu donnes. Voilà. Il donne, tu donnes. Et je veux dire, sincèrement, votre mariage va réussir. Mais quand tu es dans une relation amicale, professionnelle ou bien sentimentale, et que tu n'attends que de l'autre qu'il te donne, qu'il te satisfasse, ça va pas marcher. Tu attends seulement de lui. Et tu vas dire, oui, c'est pas mon genre d'ombre, mon genre d'homme, c'est pas mon genre de femme. Elle fait pas ceci pour moi, elle n'a pas fait ça. Parce que tu attends d'elle. Ouais. Toi, donne. Donne seulement. Donne. Lui aussi, s'il a pris ça. Et il donne. C'est, les deux se croisent et c'est le succès total. Donc voilà ce que moi, je voulais dire sur ce côté-là. Je sais vraiment, pas si ce que j'ai dit est bon. Je vais retourner à mon centre. Merci beaucoup. Je veux deux suédoises. Nos auditeurs vont faire ce qu'ils peuvent pour toi. Vraiment, merci beaucoup. En fait, c'était pas tellement le thème, mais tu as dit des choses très polyvalentes qu'on peut appliquer chacun là où il est dans sa vie. Vraiment, ce que moi je retiens, tu as retenu et tu as dit que en toute chose, on doit cultiver les pensées pures. On doit aspirer aux choses pures et on doit adopter la pureté dans le PPA. Parole, pensée, parole, action. Parole, action. La tête, la bouche et les mains. Il faut que tout cela soit en harmonie dans le sens de la pureté. Et il faut rentrer dans la logique du donner et du recevoir. Faut pas toujours être en posture de celui qui reçoit. Faut s'arranger aussi à donner. Vraiment. Donner seulement. Merci beaucoup. Donner sans rien attendre en retour. Ouais, et tout ce que j'ai dit là pour finir. Et tout ce que j'ai dit là, je ressens d'être religieux. Ça rejoint le religieux. Et ça rejoint, qu'on appelle ça le spirituel même. On n'a pas besoin d'être religieux pour appliquer ça. Ça est dans la Bible, ça est dans le Coran, ça est partout. Ce que j'ai dit là. Il faut donner. Donner. Jésus a dit, Mahomet a dit. Bouddha a dit ça aussi. C'est tout. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je vais vous laisser là. Les deux suédoises. Merci. Ok. Allez, on fait ça. Bonne soirée. Ok. Voilà. Voilà un Dikona, c'est mon frère, un Dikona. On finit de parler de l'Afrique et puis il s'en va chercher des Suédoises. Après, on va lui faire sa sauce. Pour revenir, non, c'est un Dikona. On parle de la renaissance de l'Afrique et puis il s'en va parler des Suédoises. Toutes nos femmes africaines aux beautés noires qui sont là, aux rondeurs, des femmes sincères et cuisantes, vous comprenez ce que je veux dire, sincères et cuisantes. Tu les laisses et puis tu t'en parles des Suédoises. Même si tu penses qu'elles n'ont pas la mentalité. Il faut les former. Attends, rapidement. Nos sœurs, elles aiment trop pas là. Toi, tu vois nos sœurs là. Qui est suivre? Regarde dans les sondages. Nos Ivoiriennes là, nos sœurs là, nos sœurs africaines. Regarde dans les sondages médias. Elles sont branchées sur Emmanuel Keïta, sur Lolo Beauté et puis sur qui encore? Sur des gosses comme ça. Je vais te donner la solution. Je vais te donner la solution que tu vas pas accepter. Va voir tes tantes, elles n'ont qu'à te donner une villageoise. Et puis toi-même, tu la formes. C'est fini. Villageoise a 8 filles maintenant. Donc elle est branchée sur les mêmes trucs là. Villageoise. Voilà. Bon, je vous laisse. Ok. Donc, je voulais rebondir sur ce que Serge a dit. Là, je m'adresse particulièrement aux femmes. Vraiment, là, je m'adresse particulièrement aux femmes. Parce que d'abord, il n'y a pas de voie pour venir sur la terre
si ce n'est pas en passant par la femme. Et puis, il n'y a pas plus, il n'y a pas meilleur que la femme sur la terre en ce qui concerne les relations avec l'homme. Et la femme, c'est elle-même qui est à la base de tout. C'est elle qui donne le tempo, c'est elle qui donne les directions et les directives. C'est la femme. C'est pour ça que quand on vient au monde, on passe par elle pour venir au monde. C'est pour ça que dans beaucoup de coins dans le monde, l'enfant là, quand on dit c'est l'enfant d'eux, c'est l'enfant de telle femme, parce qu'on sait que c'est d'elle qu'il est sorti. Mais l'enfant de l'homme, parce qu'on ne sait pas qui a mis là-bas. Oui. Ça là, c'est la femme. Voilà. Sinon, d'où l'enfant sort là, on connaît. Mm-hmm. Par rapport à ça, la femme qui a le tempo, en fait, si beaucoup de femmes savaient ce petit truc-là, il y aura moins de problèmes dans les couples. Parce que, déjà, l'homme, en général, soit tu peux faire un homme qui est bête, qui n'est pas bien situé dans sa tête et qui fait que des conneries, qu'il soit beau, qu'il soit grand, costaud, machin, truc et tout ça là, bon, l'essentiel, c'est que le gars, quel que soit, quand tu le vois, il est bien, dans sa tête, il n'y a rien du tout, c'est un danger. Ou bien, tu as affaire à quelqu'un qui physiquement n'est pas beau, mais dans sa tête, il est bien structuré et il peut être aussi animé. Donc, il y a plusieurs façons d'hommes. Il y a plusieurs façons d'hommes. Et toutes ces façons d'hommes-là, il y a des femmes qui aiment ça. Il y a des femmes qui aiment les hommes qui sont bêtes. Parce qu'elles, comme elles sont un peu intelligentes, elles peuvent même manipuler l'homme, le diriger, l'envoyer où elle veut, faire comme elle veut. L'essentiel, c'est que quand il est à côté d'elle, elle, elle est contente par rapport à ce qu'il lui propose comme service. Et ainsi de suite, en fonction de chaque cas d'homme. Mais la femme, elle a la potentialité de pouvoir s'adapter. C'est elle qui maîtrise, c'est elle qui connaît et c'est elle qui a la baguette. Nous, les hommes, là, on est toujours. On a l'impression que c'est, on dit l'homme est le chef de la famille, l'homme est le chef de la famille, parce que c'est un slogan qui s'est développé avec le temps, parce que l'homme physiquement il est plus fort. Quand il y a la guerre, c'est lui qui s'élève, il va devant, il prend son épée, et puis voilà, il fait truc. Donc on dit, ouais, c'est l'homme qui protège sa famille, c'est l'homme. Sinon, la personne même qui gère un vrai foyer, là, c'est la femme qui gère la maison, les enfants, qui gère tout, en plus de ses activités qu'elle fait, mais elle gère aussi l'état d'âme de son mari, ou bien de son conjoint, ou bien de la personne avec qui elle est. C'est la femme qui gère. Si on veut énerver un homme, là, c'est facile. Il rentre à la maison, elle dit un truc, ça part en cacahuète et puis c'est fini, le gars, sa journée est gâchée. Alors que la femme, peut-être, elle a fait ça, parce que le gars, il va venir encore me coucher avec moi, j'ai pas envie aujourd'hui, donc attends, j'ai trouvé quelque chose qui allait énerver, puis comme il a gros que je sais qu'il a gros que, il va dormir, puis il va me laisser tranquille. On se comprend, non? Mm-hmm. Lego, on se comprend, non? Ou bien si elle veut faire, elle sait comment elle va se comporter, comment elle va agir, et puis le monsieur, lui, il va faire son travail comme il faut. Quand il y a l'osmose entre les deux, hein, j'ai pas dit quand on fait semblant de s'aimer. Donc les femmes, elles, en fait, c'est elles qui gèrent, c'est elles qui dirigent. Des fois, vous tombez sur des hommes bien, même si c'est des coureurs de jupons, comme je vous ai dit, comme moi avant. Vrai. Moi, j'aimais bien, quand je ne suis pas fixé, en tout cas, quand je ne suis pas fixé, là, je suis dangereux. Tout ce que je sors, tout ce qui est craque, qui me plaît, ah, si tu m'as donné, il est frappé. C'est comme ça. Mais quand je suis engagé, je respecte mes engagements. Ça, c'est important. C'est ça qui fait la différence. Et une femme, quand elle sur un homme qui peut être un coureur, qui peut être un gars, ouais, son nom est côté lui, il n'est pas bien. Mais si là, si vraiment l'homme, là, quand il te voit comme un trésor, comme une valeur ajoutée. Parce que toutes les femmes, il n'y a pas une femme qui a un truc comme ça. Hein. Toutes, c'est la même façon. Il n'y a pas. La différence se fait maintenant dans l'esprit, dans la façon dont l'homme se sent à côté de toi, quand tu lui parles, quand tu lui réponds, quand il te parle et tout ça. C'est-à-dire que votre symbiose, c'est là que la différence se fait. Quand un homme, la plupart du temps, les hommes aiment aller où ils se sentent bien. Pardon, où ils se sentent bien. Où ils se
sentent bien, où ils se sentent en paix, où le gars il est couché, il a dit, hey, vraiment, je n'ai même pas envie de partir à la maison. Ah, vraiment, je suis trop bien, parce qu'on me gère bien. Donc, il y a cette osmose-là entre vous. Il faut tout faire pour que la façon dont l'homme se sent, ce ne soit pas un truc qui est forcé. Parce que les femmes, elles savent faire la comédie au début pour se marier. Elles vont faire tout, les bons petits plats, les petits massages de pieds, tous les petits trucs, alors qu'elles n'aiment pas faire ça. Mais elles font ça pour que l'homme, lui, un matin, ah, la voile, elle est bien, donc je la marie. Voilà, par exemple, une cause de divorce rapide. Tu n'es pas ce que tu es avec quelqu'un. Et maintenant, on dit chasser le naturel, il reviendra au galop un matin. Un matin, maintenant, le gars, lui, tu as l'habitude de masser ses pieds. Le soir, tu ne masses pas ses pieds. Il va dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'habitude de faire des petits plats comme avant. Tu ne fais plus. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, toi, tu es fatigué. Tu en as marre. Tu n'aimes pas ça. Ah, c'est bon. La servante va faire. Ah, c'est bon. Ma chère, tu vas faire. OK. Mais c'est, non, c'est, sérieux, ça arrive à beaucoup de femmes, elles ne se rendent pas compte. Mais c'est la cause de beaucoup de choses. Celui-là, bon, par lui, il ne t'a pas dit, mais fais ça pour moi, fais ça pour moi, fais ça pour moi. C'est toi qui as voulu le mettre à l'aise au départ. Parce que tu t'es dit que si je joue ce rôle-là, le gars, il va me regarder autrement, il va me voir autrement, puis il va m'épouser. Alors que ce n'est pas la vraie personne. Au départ, il faut se dire la vérité. Ah, moi, j'aime pas faire le ménage. Ah, moi, j'aime pas me laver. Ah, moi, j'aime pas ceci, cela, j'aime pas cela. Ah, je sais pas. Non, chacun son défaut, mais j'aime pas me laver là. Vraiment, c'est pas bon à entendre venant d'une femme, quoi. Là, là, elle n'aime pas se laver. Non, voilà. Oui. Ah, moi, j'aime pas ceci. Ah, moi, j'aime pas cela. Dès le départ. L'homme aussi, il va te dire pour lui aussi, ah moi en tout cas, moi j'aime pas ceci, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Maintenant, si après la vérité, encore une fois, la vérité ressort, après la vérité, là, avant de vous mettre ensemble, vous vous êtes dit la vérité. Vous êtes des êtres pensants. Vous pesez le pour et le contre. Ah, vraiment, ces défauts-là. Mais c'est pas mal, hein, mais ces qualités-là sont plus que ces défauts. Donc, par rapport à ces qualités, je vais me marier avec elle ou bien avec lui. C'est ça. C'est à partir de là que vous pouvez maintenant commencer à connaître vos atomes crochus. Sinon, si vous faites la comédie au départ, comme beaucoup d'Ivoiriens font, beaucoup d'Africains, beaucoup de gens même, au départ, c'est la comédie. On veut plaire, on veut charmer. Donc, il n'y a pas maison plus propre que la maison d'une go quand le gars est en Bambi. Bien, le gars même, celle-là, il va faire son lit. Ça, c'est la go doit venir. Il va arranger bien sa chambre. Zoku, tu sais de quoi il parle, non? Oui. Quand la cause a venu, la façon est propre. Hein, Fernand? Tout est bien arrangé. Mais c'est pas ce que tu veux. J'étais un peu loin, oui. Voilà. J'étais loin. Mais c'est pas ce que tu disais. Toi-même, tu connais la maison avec quand les gars venaient. Voilà. À ce moment-là, on voit la maison, le coin est bien arrangé. On dit, oui, elle a une gueule qui vient. Enfin, alors que c'est pas son habitude. Non, c'est rigolo ce que je dis là. Mais ce sont des points qui sont très sérieux. Ou par exemple, il y a un genre là à Abidjan, il y a des femmes qui travaillent dans les grandes boîtes, qui ont de bons salaires, ou bien qui sont chefs d'entreprise. Et puis il y a des gars aussi, ils sont banquiers, avocats, ils sont tout, et puis ils ont leur monde à eux, hein. C'est parmi eux là que la désolation même sévit le plus. Parce que c'est les gens qui ont les moyens financiers de pouvoir paraître, de pouvoir se donner un genre. Donc, là, ah, les gars font des. Non. Vous n'avez pas idée du nombre de femmes qui ont les moyens, qui ont l'argent, qui sont tristes, malheureuses. Franchement. Devant les gens, parce que tu la vois dans sa Range Rover avec son sac Lancel en train de marcher dans le coca. Elle va dans son bureau, c'est la patronne, et puis tout le monde est à ses pieds. Mais dans son cœur là-bas, c'est pourri, c'est gâté parce que le minimum d'amour qu'elle souhaite avoir là, zéro, elle ne gagne pas. Elle va être fan d'un gars qui est dans son genre, dans sa catégorie là,
qui lui a d'autres problèmes avec d'autres go ailleurs. Et qui va être là parce que, bon, Joe, c'est pas une go négligeable non plus, mais qui ne va pas lui donner l'attention, tout ce qu'elle souhaite. Et ça, là, je vous assure que c'est récurrent et c'est constant chez nous. J'en connais plein. C'est ce que je vous dis là. Vrai. Les plus malheureux, c'est celles qui ont le plus de moyens. Qui, quand vous les voyez, vous avez l'impression que vous, dans leur ville, elles sont trop heureuses. Parce que c'est l'argent que les gens ont mis devant. Au-delà des émotions réelles, comme je l'ai dit au début de la vidéo, au-delà des intentions réelles du départ, les atomes crochus, les choses qu'on ne peut pas payer, mais qui font du bien. Le sourire. Tu ne peux pas payer quelqu'un pour te sourire. Tu ne peux pas payer quelqu'un pour t'aimer. Non, tu vas payer quelqu'un qui va te... Tu vas faire semblant de t'aimer, qui va jouer un rôle. Mais c'est comme un acteur, quoi, en fait. Voilà. Et ça, dans ce domaine-là, je maîtrise. C'est comme un acteur. Ah! Il y a des gens qui s'amusaient à un moment donné à dire que moi, je suis un gigolo. Ça m'a toujours fait rire, ce truc-là. Ah, lui, à ses filles, c'est un gigolo. J'ai dit, mais hé, moi, là, si j'étais gigolo, mais... En tout cas, si je suis gigolo, c'est que je suis le plus bête des gigolos de la Terre. Parce que moi, gigolo comme ça, puis j'ai pas encore 3 immeubles. J'ai pas encore, combien de sociétés, machin, parce que si je veux être gigolo, là, mais Joe, je vais pas être gigolo pour des cacahuètes, hein. Ah non! Joe! C'est gigolo! C'est pas les petits gars, 2 millions, 3 millions, c'est des conneries, ça. Moi, tu parles en milliards. Parce que je sais comment il faut parler à une femme. Je dis que n'importe quelle femme qui est devant moi, là, je peux lui décrire. Si je vois son tempérament, je vois comment elle est, je vais lui décrire le genre de gars qu'elle aime. C'est-à-dire que je peux jouer le rôle du genre de gars qu'elle aime, là. Et puis, elle va pas tomber dans le piège. Bah! Et puis, maintenant, je vais bien la sucer. Je peux le faire? Wow, mais c'est sale. Putain. Mais non, je dis la vérité. C'est dégoûtant, spirituellement, c'est la pourriture de faire ça. Non, un homme, c'est pas comme ça. Mais il y a sa catégorie. Il y a des femmes qui aiment ce genre de gars-là aussi, qui ne veulent même pas. C'est-à-dire qu'elle, elle va vous dire ouvertement, je veux me marier, je veux un homme, mais elle est toujours avec les gigolos. J'ai dit, elle est toujours, jamais vu, jamais connu. C'est-à-dire qu'elles vont te dire, non, moi, je veux un gars pour moi. Mais quand tu regardes dans sa vie, le gars qui vient la nuit, c'est un gars qui profite de l'argent, machin truc, et puis demain, c'est un autre encore pareil, et c'est la même chose, et c'est comme ça. Elles aiment ça, en fait, elles sont comme ça. Mais il y en a d'autres qui n'aiment pas, mais qui se débrouillent comme elles peuvent. Mais malheureusement, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est ce qui te fait peur, et c'est ça, tu attires vers toi. Ou bien des fois, elles voient des gens qui sont bien, parce que je ne sais pas pourquoi une femme qui a réussi dans la vie, doit forcément trouver un gars aussi qui est à son niveau bien au-dessus d'elle. Ça peut être un gars qui n'est rien du tout, mais qui a un très fort potentiel. Et quand maintenant il y aura la relation avec son potentiel, il va commencer avec... C'est comme une entreprise. On te fait un prêt, une banque te fait un prêt, tu fais fructifier l'argent. Parce que les femmes, ça se fait toujours. Hein. Il y a plein de femmes qui n'ont pas qui n'ont pas l'argent, leur gars a l'argent. Et puis maintenant, le gars lui donne des moyens pour pouvoir faire ses petits trucs. Et puis la femme même devient plus riche que l'homme même des fois. Parce qu'elle a le potentiel pour pouvoir faire de l'argent, bien faire des choses. Et bien c'est vice-versa, c'est pareil. Mais les femmes ont des problèmes pour voir des gens qui ne sont pas à leur niveau, comme des êtres humains normaux comme elles. Il y en a plein comme ça qui gâchent leur vie comme ça. Et puis après, quand elles ont 45 ans, 50 ans, où vraiment le corps ne suit plus comme avant, c'est là maintenant vont aller par désespoir s'accrocher à un imbécile qui va les maltraiter jusqu'à la fin de leur vie. Ça, là, c'est très courant. Apprenez à regarder l'intérieur des gens. Apprenez à déceler le potentiel dans les gens. C'est pour ça que quand quelqu'un même n'a pas les moyens et qui vous parle, apprenez à écouter pour voir si la personne a quelque chose dans la tête. Et surtout si la personne a quelque chose dans le cœur. Parce que c'est par les actes qu'il va poser envers les gens avec qui il n'a aucun intérêt que vous allez voir que la personne-là est une personne qui est bien ou une fausse personne. Voilà ce que je pouvais dire. On ne va pas trop durer aujourd'hui. Hein. 2 heures, c'est bon. Hein. Mettez au coup. Oui, vraiment merci pour tes conseils très bienveillants.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on retient des deux interventions du frère Dizago et de Bois Kouassi? Dizago, il nous a engagés à avoir des pensées pures, des paroles pures et des actions pures. Que nos pensées, nos paroles et nos actions s'harmonisent, ne se contredisent pas. Voilà. Et Bois Kouassi, il a mis l'accent sur le fait que, en ce qui concerne les relations entre hommes et femmes, il a mis l'accent sur le fait qu'il faut se montrer véridique dès le départ. Il ne faut pas porter de masque, parce qu'un masque, il ne dure jamais. Tôt ou tard, il est appelé à tomber. Il faut se montrer vrai dès le départ, se présenter tel qu'on est réellement. Voilà. Merci beaucoup pour ces deux interventions. Moi, je voudrais revenir sur le côté spirituel, parce que je pense que la base même de notre causerie, ce sont les choses spirituelles, les thèmes spirituels. D'abord, il y a Teddy qui avait posé une question, à savoir, quelle est la différence, voilà, quelle est la différence entre le rêve et la sortie du corps. Et il y a Moni, une jeune femme. Bon, écoutez, même si c'est ma grande sœur, je la considère comme jeune femme. Vous dites qu'elle a encore du potentiel, mais je ne l'ai jamais vue. Voilà. Moni Cheblesson. Voilà. Ah, Moni Cheblesson, c'est voilà. Qui avait c'est demandé. Ah, d'accord. Bon. Donc, c'est presque ma fille. Elle avait demandé si on allait parler de réincarnation. Je n'ai pas oublié tous vos commentaires. On va y revenir. Concernant Teddy, la différence entre le rêve et la sortie du corps, j'avais ri parce que la question me mettait en joie. Voilà. Il faut dire que parfois, hein, parfois, il n'y a pas de différence. Parfois, il y a une différence. Un rêve, là, ça peut être une expérience de sortie du corps. Vous voyez? Mais, il y a un petit problème. Quand vous faites un rêve et vous vous retrouvez dans un décor, dans un environnement où les couleurs ont l'air d'être plus vivantes et plus belles que les couleurs de votre vie réelle, où les sens ont l'air d'être plus développés, c'est-à-dire vous faites un rêve et vous vous retrouvez dans un environnement avec une beauté où les couleurs sont plus vives que ce que vous croisez dans la réalité, les formes des choses sont plus raffinées que ce que vous croisez dans la réalité, et les sens, c'est-à-dire les odeurs que tu ressens sont plus fortes que ce que tu ressens dans la réalité, il y a de fortes chances que vous ayez fait une projection et que vous trouvez dans le monde parallèle, c'est-à-dire dans le monde invisible. Parce qu'il n'y a pas de raison où, dans ton rêve là, les couleurs sont encore plus vives, c'est-à-dire tu les ressens plus fortement que dans ton monde réel. Il n'y a pas de logique. C'est-à-dire, tu es quelque part où, curieusement, tes sens là, ils sont démultipliés. Tu sens les odeurs plus fortement. Il n'y a pas de ça dans ton rêve là que tu sentes les choses plus fortement que dans la réalité. C'est que tu as fait un voyage. Tu vois. Mais toi, tu ne sais pas que tu as voyagé. Parce voilà. Que la chose est venue dans la transition du sommeil et puis tu es parti. C'est déjà un premier niveau d'expérience hors du corps. Oui, et puis aussi, pour compléter, il y a ce que tu entends de l'autre côté. Il y a les messages que tu entends, parce que souvent, les voyages ne se font jamais par hasard. Quand tu voyages, la plupart du temps, c'est pour recevoir un message. On ne voyage pas pour se promener comme ça, pour aller en villégiature. Non, si tu t'en vas quelque part, c'est qu'il y a une raison, il y a quelque chose que tu dois entendre. C'est pour ça que la dernière fois, M. Zoku, tu avais dit qu'il faut avoir un cahier à côté de son lit pour noter ses rêves. Mm-hmm. Parce que quand on se réveille, on se rappelle tout de suite de ce qu'on a vu. Il faut écrire ça. Tu fais
fais l'effort d'écrire et tu verras le lendemain, par exemple, quand tu vas te réveiller, parce que des fois, tu ne te souviens pas, mais le lendemain, quand tu vas te réveiller, alors que tu as écrit, tu as dit, ah ouais, et puis ça va te remettre dans ta tête. Et peut-être que tu auras le message que tu as reçu qui va te dire, par exemple, aujourd'hui, il ne faut pas que tu voyages, ou bien la personne que tu dois rencontrer, il ne faut pas la rencontrer, ou bien il faut rencontrer telle personne, mais il faut faire ceci, il faut faire cela, parce que ça va être dans ton bien. Ça va être dans le bien. Et même des fois, même, on peut aller plus loin. Des fois, même si vous voulez ce soir, vous pouvez faire l'expérience. Demandez quelque chose, avoir quelque chose avant de dormir. Faites l'expérience. Tu dis, aujourd'hui, là, vraiment, mes entités, vraiment bien, je ne sais pas, moi, Seigneur, ou bien quoi. Montre-moi ce soir-là ce que je dois faire par rapport à telle situation. Et puis, vous dormez, vous allez voir. Voilà ce que je voulais dire. Excuse-moi. Oui. Donc, continue. On est en train de répondre à la question, la différence entre le rêve et la sortie du corps. J'ai dit que quelquefois, les deux se rencontrent. C'est-à-dire, quelqu'un dans son sommeil, tu vois, dans son sommeil, en rêve, il sort de son corps. Ça arrive. Comment reconnaître les rêves qui sont des voyages de l'âme? C'est que ce que tu vis en rêve là, ça a l'air d'être encore deux fois plus vrai que ce que tu vis dans la réalité. Pour me reprendre, quand tu vois des couleurs, elles sont aussi vives, quelquefois même plus vives que les couleurs que tu rencontres dans la réalité. Les sons, tu as l'impression de les entendre encore plus clairement que dans la réalité. Les odeurs, tu as l'impression de les percevoir plus nettement que ce que tu vis dans la réalité. Donc, par raisonnement presque mathématique, il n'y a pas de raison pour que ce que toi tu vois en rêve là, ça ait l'air plus réel que ce que toi tu vois dans la réalité. Un rêve comme ça là, c'est que tu as voyagé dans les autres mondes. Voilà. Mais maintenant, pourquoi tu ne sais pas que tu as voyagé en rêve? Première raison, c'est que la transition s'est faite dans l'état du sommeil. C'est-à-dire que tu as fermé tes yeux, tu es rentré dans l'état de sommeil, dans l'état, tu t'es oublié, dans l'état d'inconscience, et tes pensées ont commencé à se former doucement, les pensées légères. Ça s'est fait dans une transition telle que tu n'as pas fait la chose de façon consciente. C'est dans l'endormissement. Tu vois? Dans, et comme on appelle, dans le déroulement de tes pensées. Voilà, dans le déroulement de ton pensée, dans le déroulement de tes pensées jusqu'à ce qu'à vivre. Ça s'est fait en transition comme ça. Pendant que tu rêves, et ça a accompagné ton rêve jusqu'à devenir un voyage. Voilà pourquoi tu n'es pas conscient que tu... Voilà. Allô? Pendant que tu as voyagé, il y a une baisse de... Parce que dans la conscience de l'homme, là, il y a quelque chose qu'on appelle le senseur dans la conscience de l'homme. C'est-à-dire, pour ceux qui ont étudié la psychanalyse, Freud, il a dit, il y a le ça, il y a le moi, il y a le surmoi. Il y a le conscient, il y a l'inconscient, il y a le subconscient. Bon, ça, c'est une manière de décrire les choses, l'esprit de l'homme. Mais, voilà, ces intellectuels-là, ce que la notion qu'ils ne prennent pas en compte et qui nous est dévoilée dans les enseignements spirituels, c'est la notion de senseur. Le senseur, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est comme un fonctionnement de ton cerveau. Tu vois? Par exemple, si toi, tu es quelque part où sortir de son corps, c'est mal vu. Tu es dans un environnement où l'enseignement qu'on te répète, c'est que c'est diabolique. Donc, quand tu vas sortir de ton corps, là, le senseur qui est dans ton cerveau, là, il va transformer le rêve en code pour que toi, tu ne saches pas que tu es sorti de ton corps. Parce que ce que tu entends chaque jour, là, ça t'amène à te méfier de ça. Donc, le senseur, il transforme les choses pour que ça soit de façon voilée, pour que toi, tu puisses supporter. En fonction de ce que tu entends chaque jour, là, le senseur, c'est lui qui transforme le rêve en code. Donc, un voyage de l'âme où tu es sorti de ton corps pour aller dans d'autres mondes, là, en rêve, ça sera transformé en une image de quelqu'un qui s'envole ou bien qui monte un escalier qui va en hauteur parce que ta conscience
n'est pas encore prête à accepter que tu es en train de sortir de ton corps. Parce que ce que tu entends sur ce sujet-là, c'est qu'on te dit que c'est diabolique, c'est diabolique, c'est diabolique. Donc, une partie de ton cerveau, le senseur, il va te cacher ça. Donc, ton voyage en rêve, ton voyage de l'âme en rêve, là, pour toi, ça sera représenté par quelqu'un qui est dans un ballon gonflable et puis le ballon s'élève en l'air. Ou bien quelqu'un qui est monté dans une fusée et puis la fusée monte en l'air. Le senseur va remplacer la réalité par une image codée. Parce que tu n'es pas prêt à accepter que tu as voyagé en rêve, tu es sorti de ton corps. C'est ça qui fait qu'on ne reconnaît pas qu'on est sorti de notre corps en rêve. Donc, voilà un peu ce que je peux dire à Teddy, comment il s'appelle là. Bon, je lui demanderai de réagir si il a perçu un peu ce que je voulais dire ou bien s'il veut ajouter un complément. Maintenant, revenons à Moni Tchéblesson. Moni Tchéblesson. Elle avait demandé si on allait parler de la réincarnation. Si tu veux, on va en parler, ça dépend de toi. Et puis elle avait dit que le problème en Afrique, c'est que la majorité, c'est Tedis Lion. Je ne sais pas si c'est Tedis Lion ou bien Tedis Lion. C'est lui qui avait. Voilà. Donc voilà pour moi la différence entre le rêve et la sortie du corps. Mais, précision, tous les rêves ne sont pas des sorties du corps. Voilà, il y a différentes catégories de rêves. Voilà. Il y a des rêves, si tu veux, il y a des rêves psychiques. C'est-à-dire, il y a des rêves où ce sont tes aspirations cachées là, qui ressortent en rêve. Voilà, ça, c'est des rêves psychiques. Je donne un exemple. Là, une femme, surtout au début de l'adolescence, elle peut être amoureuse de quelqu'un, mais n'est pas vraiment être consciente qu'elle est amoureuse. Ou bien, elle est amoureuse, mais son subconscient refuse de reconnaître qu'elle est amoureuse. Donc, c'est une réalité qui est en elle, mais qu'elle, de façon subconsciente, elle essaie d'étouffer ça en elle. Bon, une femme comme ça, qui vit sous la pression de ce sentiment refoulé là, il peut se trouver qu'en rêve, au moment où son corps n'est pas en activité, les puissants qui sont vraiment cachés en elle, ça ressort. Tu vois? Ce qu'elle voulait cacher au moment où elle est en éveil, où elle ne dort pas. Donc, ce qu'elle voulait cacher là. Maintenant, puisqu'elle dort, les forces de résistance, c'est-à-dire les forces intérieures de rétention là, maintenant qu'elle est inconsciente, ça se relâche. Et puis maintenant, les vraies profondeurs qui sont en elle là, ça s'exprime en rêve. Elle voit quand en rêve là, elle attrape la main du gars, les deux se baladent, elle attrape son visage, elle le contemple, elle le contemple, et puis un coup elle se réveille. Mais ça, c'est quel rêve que j'ai fait là? Ce que tu bloquais là, parce que ça, ton esprit ne veut pas entendre, ce que tu bloquais, les forces de rétention qui bloquaient là, comme ton corps n'est plus en activité, ça a lâché, et puis maintenant, le vrai fond de toi-même est sorti. Donc, ça, c'est un rêve psychanalytique, un rêve psychique. Ce n'est pas forcément un rêve de sortie du corps. Je me répète, il peut se trouver qu'en rêve, on sort de son corps. Mais tous les rêves ne sont pas des espérances de sortie du corps. Oui. Allô? Oui, oui. Excusez-moi. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire. Et j'ai dit que comment reconnaître les rêves où on est sorti du corps, on aura la sensation que ce qu'on le vit, ce qu'on voit comme réalité, ce qu'on entend, ça a l'air d'être encore plus vivant, plus réel que ce qu'on voit, on vit à l'état normal. Et j'ai dit que non, ce n'est pas logique que ce que tu vois en rêve soit plus vivant, plus fort, plus vif que ce que tu vis quand tu n'es pas en rêve. Donc, si tu es dans ce cas-là, il faut savoir que ton âme a voyagé dans d'autres mondes. Parce que les mondes invisibles, les mondes
subtils, ils sont plus élaborés que les mondes physiques. Parce que les mondes subtils sont des mondes supérieurs. Voilà. Donc, dans les mondes subtils, vous avez les mêmes réalités, mais faites de manière supérieure. C'est-à-dire, quand tu vas rentrer, par exemple, dans l'astral, c'est les mêmes maisons, mais les formes sont encore plus artistiques. C'est les mêmes couleurs, mais c'est encore plus fort. C'est les mêmes odeurs, mais tu vas les ressentir plus fortement, parce que c'est des mondes subtils. C'est des mondes comme Choco, plus raffinés. Voilà, donc, tu peux reconnaître, quand tu vas te réveiller, et que tu fais le récapitulatif de ton rêve, si tu vivais des sensations plus fortes, des paysages plus colorés, des odeurs qui étaient encore plus fortes, bon, il y a de fortes chances que ton âme ait voyagé dans les mondes subtils. Voilà, donc ça, il peut arriver qu'en rêve, on fasse une expérience hors du corps. Mais tous les rêves ne sont pas des expériences hors du corps. Ensuite, j'avais dit que pourquoi est-ce qu'on n'est pas conscient qu'on a voyagé? Un, parce que la transition s'est faite lentement dans le sommeil. Voilà. Si vous voulez ça, c'est pour les non-initiés. Sinon, quelqu'un qui est initié, il n'a pas besoin d'attendre le rêve pour sortir de son corps. Il a les techniques pour le faire de manière consciente. Donc, un, c'est parce que la transition s'est faite dans le sommeil que tu n'as pas reconnu que tu as voyagé hors du corps. Deux, c'est dû à l'action du senseur. Comme tu es dans un milieu où on te dit que c'est diabolique, donc quand tu vas faire le voyage, le senseur va remplacer l'image du voyage par une image symbolique. Tu auras l'impression que, par exemple, tu es dans un ballon gonflable et puis le ballon s'élève en l'air. Tu es dans une fusée et puis la fusée s'élève en l'air. Ou bien tu es un escalier, tu montes les marches, tu vas vers le haut. Comme tu n'es pas prêt à accepter que ton âme a voyagé, le senseur va donner une image codée que toi tu peux accepter. Mais voilà, quand ton esprit sera fort, quand ton esprit sera fort spirituellement et que tu seras prêt à accepter que tu peux sortir de ton corps et même que tu dois sortir de ton corps pour rencontrer des êtres de lumière pour t'enseigner, le senseur, il n'aura plus de force pour voiler tes rêves en les transformant en code. Voilà. Voilà ce qui est la différence entre le rêve et la sortie du corps. Maintenant, Monique et Blesson, qui disait que oui, la majorité des Africains, je vais essayer de retourner à son commentaire, et la majorité des enfants de Kamas, tant que je ne suis pas d'accord. Pour moi, notre libération réelle ne viendra que lorsque la majorité des enfants de Kama se seront affranchis de ces religions qui ont été imposées à nos devanciers. Bon, là, tu vas m'excuser, mon point de vue, il est un peu nuancé. On parle de religion étrangère. Moi, si tu veux, pour moi, il n'y a pas de religion totalement fausse. Pour moi, ça n'existe pas. Une religion qui est fausse du début jusqu'à la fin, non. En toute religion, il y a une part de vérité. Mais le problème, c'est quoi? Une religion ne peut pas convenir à tout le monde. Une religion, là, ça convient à un individu donné et à un moment donné. Ça veut dire, dans un endroit donné. Voilà. Ça veut dire, il y a des moments où tu es plus réceptif au christianisme. Si tu es là, tu as une maladie qui te fatigue, et puis dans ton entourage, chaque fois on te fait des témoignages des gens qui ont été guéris au nom de Jésus, l'état de ce que tu vis, ça te rend réceptif. Attends, moi je vais aller prier pour moi, parce que je suis fatigué. Tu vois? Bon. Maintenant, il y a des gens en eux-mêmes là, ils ont des questionnements intérieurs. C'est des gens qui se posent des questions. Donc, pendant l'enfance, comme on lui a appris à prier la Vierge Marie, on l'a conditionné très tôt, il va adopter ça. Maintenant, quand il va grandir, ses questionnements intérieurs vont commencer à surgir. Pourquoi Marie est blanche et pourquoi elle n'est pas africaine? Pourquoi tous les saints sont blancs et ils ne sont pas africains? Pourquoi ce qu'on fait là, c'est diabolique? Donc, avant que les blancs n'arrivent là, il n'y avait pas de saints, ils vont commencer à se poser des questions. C'est ce que les psychologues appellent une dissonance. Tu vois, ce qu'on te dit là, ça rentre en conflit avec tes questions intérieures. Qu'est-ce qui prouve que si quelqu'un ne donne pas sa vie à Jésus, forcément il va aller à l'enfer? Est-ce qu'on ne peut pas être pur devant Dieu sans avoir donné sa vie à Jésus? Donc, tu rentres
maintenant dans une phase de questionnement qui va faire que le christianisme, ça peut ne plus te convenir. Donc, tu vas maintenant être à l'écoute des choses alternatives. Bon, je vais écouter ce que les autres disent. C'est ainsi que tu peux tomber sur le bouddhisme. Tu vas trouver ça plus conforme à ta conception. Voilà. Donc, moi, pour moi, il n'y a pas une religion qui est totalement fausse. Une religion, elle contient toujours une part de vérité. Elle contient à certaines personnes données et à certains moments donnés. Mais, puisqu'on est dans une période de renaissance, il faut valoriser nos pratiques traditionnelles. Moi, je milite pour qu'on ne satanise pas ça d'emblée. Ça, je milite pour ça. Je donne un exemple. Dans les films nigériens, Nollywood, chaque fois que ce film-là te parle des choses de sorcellerie, c'est pour te dire qu'un prêtre est venu, il a fait la prière, il a fait jeûne et prière, et puis il a vaincu ça. C'est-à-dire, et puis il a vaincu le villageois. Voilà. Le gars du village. Voilà. Mmh. Donc, on ne te présente que le paranormal, le mystique africain, que sous l'aspect de sorcellerie qui, à la fin du film, est vaincu par les forces du bien représentées par Jésus. Mais c'est dangereux. Vous êtes en train de formater nos petits-enfants à haïr leurs coutumes. Il y a des sorciers partout, même en Europe ici. Les pouvoirs surnaturels, il y en a de divins, il y en a de diaboliques. Donc moi, si tu veux, je milite pour ne pas qu'on diabolise systématiquement. Je n'ai pas dit je milite pour ne pas qu'on diabolise, non. Pour ne pas qu'on diabolise systématiquement. C'est-à-dire, il ne faut pas dire que tout ce qui n'est pas Jésus, donc c'est diabolique. C'est ce que je ne veux pas voir. Parce que tout ce qui n'est pas Jésus, donc c'est diabolique. Est-ce que tradition, là, c'est au nom de Jésus? Non. Donc c'est diabolique. C'est ce que je veux. La systématisation de la condamnation. Parce qu'il faut faire attention. On veut rentrer dans nos traditions, mais prions pour y rentrer de la bonne manière. Il ne faut pas qu'on nous introduise à notre insu dans des confréries où on nous sert des choses à manger et puis ça nous condamne. Nous aussi, on doit livrer nos parents. Et c'est pas si vous voyez mon problème. Ouais. Donc, il faut faire la part des choses. Voilà. Il faut faire la part des choses. Mais, ce que moi, je reconnais dans la religion kamite, dans nos religions ancestrales, là, je ne crois pas qu'il y ait de faux dogmes. C'est-à-dire, si tu veux, tu crois, si tu veux, tu ne crois pas. Mais il n'y a pas la manipulation, c'est-à-dire dans ce qu'il y a de plus authentique. Je ne parle pas des charlatans. Parce que la dernière fois, j'ai dit que des démonstrateurs aussi. Les gars qui marchent sur le feu, les gens qui font bouillir les canaris sans feu, et puis on filme là. Les gars qui font, puis ils cassent pied de poulet, puis le poulet, il remet en place. Voilà. La démonstration, je veux dire que je ne parle pas des gens qui te manipulent. Ils savent que de toute façon, tu auras longue vie. Mais comme il veut te faire croire que c'est lui, cette technique qui t'a donné longue vie, il va te dire non, si tu veux avoir longue vie, chaque mois, fais ce rituel. Chaque mois, fais ce rituel-là. Chaque fin d'année, fais ce rituel, tu vas avoir longue vie. Et toi, tu fais le rituel et tu constates que tu as atteint 90 ans, tous tes promotionnaires sont morts. Tu vas relier ça à la science de ce gars-là. Alors que non, ces génies lui avaient montré que lui-là, il est né pour vivre longtemps. Voilà. Ça dit, parmi nos, comment on appelle, nos sachants de nos sciences sacrées ancestrales, là, si vous croisez des gens qui sont vrais et qui enseignent les choses vraies, il n'y a pas de dogme faux dedans. Peut-être que toi, tu ne vas pas croire que derrière la montagne, là, il y a des génies. À toi de croire ou à toi de ne pas croire. Il peut te dire non, le génie a dit fais ça, fais ça, fais ça. Fais ça, et puis tu vois le résultat. En fonction de ça, tu peux apporter foi à ce qu'il dit. Mais l'avantage, quand tu tombes sur des bons gars de la spiritualité traditionnelle, il n'y a pas de faux dogme. Voilà, qu'est-ce que j'appelle faux dogme? C'est des choses un peu exagérées qui saisissent la conscience. Par exemple, le fait de dire que Marie est née sans péché, moi je n'y crois pas trop. Ça c'est un. Le fait de croire que le fait de dire que Jésus c'est le sauveur, pour moi je n'y crois pas trop. Je vois que Jésus c'est un saint, mais dit que c'est le sauveur, il est assis à la droite de Dieu. S'il est assis à la droite de Dieu, après tu dis qu'il est Dieu. Comment peut-on être Dieu et être assis à la droite de Dieu? Pour être assis à la droite de Dieu, il faut être distinct de Dieu. Bon, il y a des considérations, pour moi, c'est trop compliqué.
Si on dit que Jésus est Dieu, c'est la même chose. Pourquoi quand on le cloue à la croix, il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi il appelle un être distinct de lui alors qu'il est, il est confondu ? Bon, mon ami, c'est ça que j'appelle. Dans la religion traditionnelle, il n'y a pas ce genre de notions-là bizarres qui se contredisent mathématiquement. Voilà. Mais si tu rentres dans la spiritualité africaine, cherche l'illumination. Pour moi, c'est l'illumination qui compte, le degré d'élévation. Ce n'est pas l'étiquette. Tu vois ? Donc moi, je pense que les Blancs nous dominent parce qu'ils sont plus illuminés que nous. Parce qu'ils nous blaguent. Parce que moi, j'ai pratiqué la spiritualité africaine. J'avais des statues que j'adorais. J'avais les autels. Mais je les ai laissés. Pas parce que c'est faux, non. C'est comme si quelqu'un, tu vois, un chanteur, il se fait arranger par David Tairo. Et puis après, pour donner un autre souffle à ses chansons, il dit, bon, je vais laisser David Tairo, je vais prendre Tamsi, un arrangeur de la dernière génération. Ce n'est pas parce que David Tairo est faux, non. C'est parce qu'il veut expérimenter une autre facette. Donc, moi, j'ai expérimenté la spiritualité africaine. Il y a des détails que je ne vais pas vous donner ici. J'étais connecté à des génies, voilà, en nombre même impressionnant. Je ne vais pas donner les détails pour ne pas effrayer les gens. Et puis, arrivé un moment, je suis passé à une autre expérimentation. Tu vois? Et je sais un peu les ordres initiatiques occidentaux, je sais un peu, j'ai une petite idée de comment ça fonctionne. Mais je vous dis qu'ils ne s'amusent pas. Ils vous font croire que vous, vous êtes spirituel. Ils viennent vous filmer. Ils filment l'Afrique, les féticheuses, les prêtresses vaudou en train d'être en transe. Comme eux, ils ne font pas ce genre de spectacle-là. On dit oui dans les documentaires. L'Afrique, terre de spiritualité. Et puis vous êtes contents. Mais eux, là, les trans là, ils font ça à un autre niveau. Mais ils n'ont qu'à regarder, s'ils ont, ils ont le temps, sur YouTube, l'enterrement de la reine Elisabeth. Là. Ils vont voir des choses. Ils vont donc, je voir des choses que les gars ont fait vis-à-vis de tout le monde. Je veux dire que, pour moi, ce n'est pas l'étiquette. Je veux dire que, si tu dis que tu veux être évangélique, fais-le si ça te met à l'aise. Mais moi, je souhaite que tu atteignes des niveaux d'illumination élevés. C'est-à-dire que tu atteins un degré spirituel élevé. C'est comme si, regardez, on est dans... Je donne un exemple. On est au plateau. Les musulmans aussi. Hein. On est au plateau, dans la zone où il y a le tour administratif. Voilà, dans la même zone-là. Je ne connais pas bien les noms. Il y a tour A, tour B, tour... Il y a différents tours dans la même zone-là. Donc, c'est sur le même espace. Bon, celui qui a la tour A et qui est au cinquième étage, et puis celui qui a la tour C, mais lui aussi il est au cinquième étage, les deux là, ils ont à peu près même hauteur de vue. Voilà. C'est-à-dire la hauteur à partir duquel ils voient jusqu'à une limite de la ville qui s'étend là. C'est à peu près la même chose. Les deux voient la lagune. Les deux voient la lagune. Mais maintenant, quelqu'un il est dans la tour A, mais au deuxième étage. Un autre est dans la tour B, au 15e étage. Et l'autre, là, il condamne celui qui est au 15e étage, là, simplement parce qu'il pense que tour B, là, c'est pas une bonne tour. Mais pourtant, toi, tu es au deuxième étage, lui, il est au 15e étage. Ce que lui, il voit, toi, tu vois pas. Mais tu ne juges pas en fonction du niveau d'étage, mais tu juges le nom de la tour, là. C'est ça, toi, tu juges. Mais lui, il te regarde et puis il rigole. Et tu es le plus chaud. Non, c'est démoniaque. Toi, où tu es là, tu vas tomber. Tu vas tomber, tu vas te faire mal. Oh, lui, il maîtrise toutes les techniques d'ascenseur. Il sait comment on peut débloquer. Il est là-bas, il est à l'aise. Mais c'est que lui, il voit là. Toi, tu vois pas. Et puis, il te dit, y a les bandits qui arrivent vers toi là-bas. Il te prévient en même temps. Et puis, tu l'écoutes pas. Non, toi, tu es diabolique. Tu es diabolique. Faut me laisser tranquille. Laisse-moi. Matin, faux, les gars sont dans ta maison. Donc, pour moi, c'est ça. Ce n'est pas l'étiquette, mais c'est le niveau d'illumination. Moi, je vais te dire, il y a des pasteurs qui ont atteint... Moi, j'ai discuté avec des pasteurs qui ont atteint des niveaux d'illumination élevés. Mais, puisqu'il est passé dans une école pastorale, parce que quand on rentre dans une école pastorale, on est formé par conditionnement et non par révélation. C'est-à-dire, quand tu vas à l'école pastorale, ce qu'on t'enseigne là, ce n'est pas ce que tu reçois par révélation, c'est ce qui est déjà établi que tu apprends.
Tu vois? Donc, ce pasteur-là, il a un niveau d'illumination élevé. Mais il y a des choses qu'il ne peut pas dire dans la prédication, parce que... Ou un imam aussi. Voilà, ce n'est pas conforme à ce qu'on lui a dit à l'école pastorale. Donc, ce pasteur-là, un jeune pasteur qui avait des dons, quand moi j'ai discuté avec lui, il m'a regardé, il a dit, non, tu sais, il y a des gens, quand tu les vois, ils n'ont pas l'air d'être des chrétiens, mais qui peuvent influencer le niveau de conscience d'une société. C'est-à-dire, ils n'ont pas l'air d'être des chrétiens, mais ils peuvent créer une élévation spirituelle des gens. J'ai dit, ah, pasteur, c'est ce que tu dis. Il dit, oui. J'ai dit, mais pourquoi vous ne dites pas ça? Il dit, non, laisse tomber. Il était devant moi, il a dit des trucs. C'est devant moi, il dit ça. Mais quand il est devant la chaise, il ne rentre pas dans ces détails. Mais il a décrit des choses de la façon dont moi je conçois là. Il a formulé ça exactement comme ça. Mais il ne peut pas dire ça derrière la chair. Parce que s'il le dit derrière la chair, ce n'est pas l'assemblée, c'est ses collègues pasteurs même qui vont dire que son enseignement a dévié. C'est un sorcier. Donc, pour revenir à ce que Monique Blesson dit, pour moi, si tu reviens à la spiritualité ancestrale, simplement par souci identitaire, c'est pas mauvais, mais c'est pas sûr que tu atteignes les degrés d'illumination. Moi, c'est le degré de l'illumination qui m'intéresse. Vous voyez, excusez-moi, c'est comme la circoncision. Pour moi, là, peu importe que ce soit les Haoussa qui aient fait ça, ou bien les Juifs, ou bien quand tu as fait ça à l'hôpital, l'essentiel, c'est que le prépuce soit coupé pour ton hygiène et puis pour la pratique de l'amour. Il faut que ça soit bien fait, c'est tout. Voilà. Tu peux avoir fait ça chez les Arabes, tu peux avoir fait ça chez les Bété, tu peux avoir fait ça à l'hôpital Paris-Nord, mais si c'est bien fait, est-ce que c'est pas le même résultat? Pour reconnaître que la circoncision est bien faite là, c'est un examen visuel d'un médecin, mais tu vas pas me dire qu'il va dire que comme c'est un Haoussa qui a fait là, ça n'a pas réussi. Il se base pas sur la nationalité de celui qui a fait, mais la configuration visuelle du Bangala. Maître Zakou. Ouais. Si vous voulez rentrer dans la spiritualité ancestrale, attachez-vous à des vrais sachants qui vont vous éveiller la conscience. Maintenant, il y a quelqu'un qui a dit, est-ce qu'on peut être conscient? Je ne sais pas c'est qui, s'il peut se signaler. Il y a quelqu'un qui a dit, est-ce qu'on peut être conscient? Maintenant, qu'est-ce que lui, il entend par être conscient? Sans doute qu'il a dit ça au moment où je faisais un développement précis. Donc, j'essaie de. Ben bon. Si tu peux repérer. Ah, c'est Aï Koumé. Voilà, tu as repéré le commentaire. Non, c'est pas repérer le commentaire, mais il faut lui demander de répéter la question. Répète la question. Je sais pas si c'est un homme ou une femme. S'il te plaît. Être conscient de sa réincarnation. Ah, non! Attends, c'est ce qu'elle a dit, réincarnation? Oui, être conscient de que tu es réincarné, quoi. Bon. Tu peux avoir des flashs. Non, des flashs, mais... Voilà. Je vais te surprendre. Effectivement, on peut être conscient. Mais ça, si tu veux, c'est déjà les préludes du haut niveau de spiritualité. C'est-à-dire, en spiritualité, là, il n'y a pas quelque chose qui est impossible. C'est-à-dire, on raisonne en termes de niveau. Je vais donner un exemple pour ceux qui ont fait les maths. Quand vous êtes au primaire, on va te dire 0 moins 2. On va dire que ça n'existe pas. On ne peut pas enlever 2 dans 0. Mais quand tu arrives au collège, 0 moins 2, ça fait combien? On va dire égal moins 2. C'est un nombre. Un entier négatif, un nombre négatif. Tu vois? Mais pendant que tu es au CP1 ou bien au CE1 ou CE2, mais on te dit que ça n'existe pas. 2 moins 0, ça existe. Mais 0 moins 2, ça n'existe pas. Donc, ce n'est pas parce que toi, tu ne peux pas le faire que ça n'existe pas. Non. Moi, je te dis, j'ai expérimenté ça clairement. Et quand j'ai expérimenté, il y a un ami qui m'a dit,
Mais comment, il dit, bah attends. Le gars, il avait des problèmes. Il avait des problèmes. Sa vie n'avance pas. C'est-à-dire, il cherche un emploi. Hein. On dit, il y a travail ici. Quand lui, il arrive pour faire sa demande, on dit, non, le quota vient d'être fini. On dit, oui, il y a coût à domicile ici. Voilà un parent. En tout cas, il est régulier dans le paiement des répétiteurs. Quand lui, il va arriver là, c'est maintenant le parent va avoir des difficultés. On ne peut plus payer régulièrement. Et puis je le regardais, j'ai dit non mon gars, l'enchaînement continu de malchance sur le même individu, c'est un langage de la nature. Toi seul, tu ne peux pas avoir toute la poisse à tout moment, c'est sur toi. C'est un langage de la nature. Ça veut dire que tu as des dettes karmiques. En venant dans tes vies passées, tu as dû faire des choses graves que tu es en train de payer ici. Tu n'as pas eu le temps de payer, puis tu es revenu pour payer. Donc, je lui ai donné une prière. Il dit, bon, si tu ne crois pas, tiens, fais cette prière et puis demande à une entité. Il dit, bon, tu lui demandes, pourquoi est-ce que je souffre? Tu fais la prière et puis tu chantes tellement, va te coucher. Après, il est revenu. Il dit, mais est-ce que tu as fait? Il dit, oui. Il dit, est-ce que tu as reçu la réponse en rêve? Il dit, oui. Il dit, mais comment tu as reçu la réponse? Il dit, oui. En rêve, je me retrouve dans un pays. Comme au temps des westerns. Et je suis dans une armée. Et je vois un monsieur, il est blanc, mais je suis conscient que c'est moi qui suis là. Mais je n'ai pas ce même corps-là. C'est moi qui suis là. Mais je tuais les gens de façon atroce. Je décapitais. C'était tellement affreux que moi-même, je n'ai pas pu supporter. Je me suis réveillé. Il dit, voilà, tu as l'explication. Parce que quand tu tues quelqu'un, tu fais une veuve, tu fais des orphelins, tu fais des gens qui ne vont plus aller à l'école. Donc c'est tout cela que tu es en train de payer. Et puis, combien de gars tu as égorgé? Tu égorgeais comme ça, via, parce qu'il avait un gros sable de Sandokan. Il coupait les têtes. Il dit, voilà. Donc, toi, tu t'attends à ce que ta vie soit facile. Déjà, même pour un simple meurtre, on peut condamner quelqu'un pour 20 ans. Imagine-toi qui coupait les têtes à la pelle. Voilà l'explication. Donc, on peut savoir ces incarnations passées. Ça, c'est des trucs même. Il y a des gens, même quand tu leur dis, ça dépend de celui à qui tu parles. Tu vois? S'il te regarde et puis il sent que tu es buté, il va te dire, non, bon, c'est pas évident. Mais il tombe sur un gars comme Boakwasi qui a soif et puis il est ouvert. Le gars va lui dire, non, ça se fait. S'il voit que Boakwasi est prêt, il va dire, bon, viens, voilà la technique. Donc, en fait, même la haute spiritualité, là, c'est la conscience totale. C'est d'être conscient de tout. Un homme éveillé, là, il est conscient de tout. Voilà. Mais... T'as vu ce que Aïkoumé a écrit? J'ai envie de lui répondre, mais je préfère que tu lui répondes. Non, moi, je ne vois pas son commentaire. C'est-à-dire, c'est pas tous les commentaires que je vois. Je demande cela à cause de la relation que j'ai avec ma mère. J'ai l'impression que c'est moi la mère. Bon, oui, c'est des choses possibles. Donc voilà, on peut être conscient de ces incarnations passées. Et moi-même, je suis tombé sur un prêtre vaudou, un boukonon. Lui, il est boukonon. Il est vaudou. Moi, je ne suis pas vaudou. Je suis dans un cercle initiatique. Mais quand on cause là, on est d'accord. On est d'accord. Un jour même, il m'a dit, bon, Zoku Managi, bon, voilà, il y a une patiente là, son cas me fatigue. Oui, je sais. J'ai dit, bon, si tu me donnes ton accord, on peut associer nos efforts. Il dit, non, vas-y. On associe un peu nos efforts. Puis je lui ai apporté mes observations à moi. Donc, ce gars-là, c'est un prêtre vaudou. Mais il a la même compréhension spirituelle que moi. Non seulement il a vu certaines de ses vies passées, mais on lui a révélé, il lui reste combien de vies? C'est-à-dire, quand il va mourir, là, le nombre de vies qui lui reste pour que le cycle soit complet, pour qu'il ne revienne plus sur terre, on lui a dit ça. Donc, c'est pour dire que la spiritualité profonde, la spiritualité élevée, c'est la conscience totale. Voilà. Quelqu'un qui a le niveau spirituel de conscience de Dieu, il a la capacité d'être conscient de tout. Lui-même, là, il a la maîtrise de lui-même. Il voit son passé. Il voit son présent. Il voit son futur. Et puis, il a la conscience totale. C'est-à-dire, il a la capacité de ne pas être surpris par quoi que ce soit qui approche de lui.
il faut être clair. On peut être conscient de tout. Voilà. Et c'est même probable que vous deux, vous avez existé, mais dans des rôles différents, dans d'autres vies précédentes. Ça, c'est des trucs qui arrivent fréquemment. Tu peux lire des ouvrages. Bon, moi, je n'ai pas les auteurs en tête. Il y a des gens qui décrivent des trucs puis avec des vies passées. Voilà. Donc, voilà ce qu'on pouvait... Donc, bon, quoi, si j'en ai fini avec les questions, je pense. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Alors, chers frères, chères sœurs, chers amis, ce soir, on a parlé de certaines choses de façon très, j'ai failli dire subtile, mais de façon très, très légère pour que ce soit vraiment digérable. Voilà, si on peut, parler comme ça. Parce que, en fait, le but de tout ça, ce n'est pas d'épater les gens ou bien chercher à influencer les gens ou bien chercher à être des gens. Oui, lui, il connaît. Non, c'est pas ça. C'est simplement la démarche, elle est dans c'est une simple démarche d'information. Une simple démarche de partage d'information dans l'humilité la plus totale. Sincèrement, il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à quelqu'un ici ou bien un truc. Non, il y a des informations qu'on a, on les a partagées tranquillement avec les frères et sœurs. Chacun en fait ce qu'il veut. Voilà pourquoi j'ai dit au début du live, n'invitez pas n'importe qui. Parce qu'il y a des gens qui vont venir, ils vont regarder, oh, cela parle de quoi ? Et puis ils vont partir. Et puis il y en a d'autres qui vont venir, lui là, ah donc c'est comme ça, il est. Ils vont commencer à se pourrir eux-mêmes leur vie. Ils vont commencer à se donner de vilains ressentiments. Et puis ça va aller contre eux-mêmes. Parce que dans ce truc-là, je vous ai dit que c'est l'intention qui vaut l'action. Je vois que ça se dit même dans le sport. C'est l'intention qui vaut l'action. Ou bien, comment il dit ça? J'ai péché en parole, par action et par omission. Dans une, il y a une prière chez les chrétiens, je crois, où on dit, oui, j'ai péché par action, par je ne sais pas quoi là. Eh bien, l'intention là, c'est comme si tu as péché par omission. C'est-à-dire que tu regardes quelqu'un, il t'énerve et puis tu lui souhaites un malheur. Mais tu n'as pas fait. Mais le fait d'avoir pensé à ça, là, tu as fait. Il faut contrôler ses pensées. C'est très important. Voilà pourquoi, à la place de tes pensées négatives, là, il faut avoir des pensées de lumière sur toi. Des pensées, comme Serge l'a dit tout à l'heure, voilà. Le PPA. Ou bien il faut avoir action. Des pensées de lumière sur toi, sur les autres. Il faut avoir des pensées toujours d'éclairage, des pensées de déblocage, des pensées d'amour, des pensées de partage, des pensées. Vraiment, il faut distiller l'amour. Soit une lumière partout où tu vas. Soit quelqu'un qui décante les situations partout où tu vas. Soit quelqu'un qui soit quelqu'un d'agréable à côté de qui tout le monde veut venir s'asseoir pour écouter, pour respirer, pour se reposer, pour tout. Soit quelqu'un vraiment qui est agréable aux autres. On ne fait pas l'unanimité, c'est impossible. Parce qu'il y a des maudias qui sont là spécialement parce qu'il y a une armada même de maudias, de démons qui sont là justement c'est comme des virus. Quand ils rentrent dans toi, bien ils t'inoculent une saleté dans toi, tu deviens comme eux. C'est-à-dire qu'ils vont te faire une méchanceté. À un moment donné, moi aussi, j'ai devenu méchant maintenant. Et ils sont contents quand une fois que tu as réussi, tu es devenu comme eux là. Eux, ils ont réussi leur mission. Il y a des gens qui sont là pour ça. Ces gens là, faites le contraire. Soyez des lumières. Que vos actions, tout ce que vous faites, ce que vous dites, les travaillent dans leur tête, dans leur âme, dans leur esprit. Inoculez-leur maintenant le médicament de l'amour. C'est-à-dire que vous leur dites, là, il va se passer deux choses. Soit ces gens-là vous fuient, ils vont loin de vous parce qu'ils ne vont pas supporter votre aura. Ils ne vont pas supporter votre lumière. Ou bien, ils sont atteints et puis maintenant, ils vont aller vers vous. Ils vont se transformer. Ils vont laisser leur mauvais côté là pour devenir comme vous aussi. Parce qu'ils seront impressionnés. Ils seront agréablement bien avec vous. Et par rapport à ça, ils sont obligés de changer. Sinon, si jamais vous ne faites pas ça, ah, ça va être compliqué. Hein. Parce que les temps qui arrivent là, le temps de l'éveil de l'Afrique sera l'un des temps les plus affreux
de l'existence de ce continent-là. Parce que les gens qui ont eu l'habitude de manger en Afrique, de dominer, d'écraser les gens en Afrique, ils sont en train de perdre le Nord actuellement. Et ils vont vouloir s'accrocher à quelque chose et ça va être vraiment vilain si les Africains ne sont pas ensemble, si les Africains vraiment ne prennent pas conscience du territoire qui leur appartient, le seul territoire au monde où quand ils sont là-bas, quand tu marches derrière là-bas, tu dis sale nec. C'est le seul endroit au monde. Sinon, dans tous les autres endroits du monde, là, tu peux marcher, puis quelqu'un te dit, hey, toi, là, tu... Voilà. Le continent africain, Kamala, ça, là, on ne peut pas laisser ça à qui que ce soit. Ça ne peut pas nous échapper. Parce que ce sera la plus grosse erreur et peut-être l'extinction même de la, du genre humain noir. Les gens, les gars, c'est pas du jeu. On est dans un changement, dans un truc qui ne dit pas son nom, qui est très, très, très important. Nous devons être déjà spirituellement illuminés, prêts, préparés pour buter hors de notre continent tous les esprits malsains. Parce qu'il n'y a pas que des esprits malsains qui veulent nous tout. Il y a des esprits saints, des bons esprits aussi, qui viennent d'ailleurs, qui veulent profiter aussi du bonheur qu'il y a en Afrique. Et on peut pas les empêcher. Une oui. Petite parenthèse rapide, parce que je tiens à répondre aux questions. Il y a un là, je ne sais pas lequel, qui a dit « Que pensez-vous de la réincarnation ?» Je ne sais pas qui c'est. Voilà. Quand tu vas finir, je vais essayer de donner une réponse en 1 minute 50. Donc, vas-y. Non, mais j'ai pratiquement fini. Hein. Il faut être la lumière. Il faut être une lumière. Faites tout. Restez dans la vérité. Même si la vérité choque, blesse, ou bien ne plaît pas aux gens, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que ce que vous avez dans votre cœur, ça correspond à ce que vous avez pensé. Même ce que vous avez dit à votre bouche correspond à ce que votre cœur pense et ce que votre cerveau pense. Que ce soit vraiment la vérité. Ne mentez pas aux gens. Ne manipulez pas les gens pour avoir raison ou bien pour avoir le bon rôle. Ou bien c'est inutile. Mais si vous dites les choses telles que vous les sentez vraiment et que c'est réel, que vous ayez raison ou pas, il y aura au moins cette... tranquillité, là, cette sérénité qui fait que vous avez bien fait ce que vous devez faire et vous avez été correct avec tout le monde. À partir de là, vous allez voir que s'il y avait des façons, des choses qui te bloquaient, des choses qui étaient bizarres, ça va commencer à changer. Je vous le garantis. Il y a des choses qui vont commencer à changer. Des échecs, des choses bizarres qui ne marchaient pas, qui ne fonctionnaient pas. Vous allez voir la vie différemment. Et vous allez voir, surtout dans votre entourage, que les gens malsains vont se retirer de vous. Et c'est des bonnes personnes maintenant, des gens comme vous voulez là, qui vont venir vers vous. Ça là, je vous le garantis. Parce que c'est pas parce que je suis fort ou bien parce que j'ai le pouvoir de voir. Non, c'est simplement une règle. C'est comme code de la route. On dit feu rouge, faut t'arrêter. C'est juste des règles qu'on donne. Tu t'arrêtes au feu rouge, les voitures passent quand c'est vert, quand tu continues ton chemin. C'est rien que ça. C'est comme un code de la route. On vous a dit, c'est pas parce qu'on a un esprit supérieur, bien sûr, on est tous pareils. Donc vraiment, voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Je laisse Zoku terminer et puis on va se laisser. Oui, vraiment, merci beaucoup. Vraiment, excusez-moi pour ce temps supplémentaire que je vous prends. Que pensez-vous de la réincarnation? Bon, la réincarnation, c'est une doctrine spirituelle qui est enseignée dans certaines voies spirituelles, surtout sur les voies orientales, c'est-à-dire les enseignements orientaux, bouddhisme, maïkari, et méditation transcendantale, Sahagya Yoga et autres, voilà, c'est beaucoup présent. Voilà. Mais je signale que la réincarnation, c'est aussi une croyance de l'Afrique traditionnelle. C'est-à-dire, nous, nos croyances ancestrales avant l'arrivée des chrétiens, là, notre compréhension spirituelle, nos croyances, elles sont réincarnationnistes. Mmh. Voilà. Bon. L'ovier, il y a les bébés, on les appelle l'ovier. Voilà. Donc, ça, c'est, je fais le constat. Je ne fais pas d'analyse, c'est un constat. De l'Orient, beaucoup parlent de réincarnation. Dans l'Afrique aussi, quand tu consultes les sachants africains, la compréhension avant l'arrivée des Blancs parle de réincarnation. Et il n'y a que les religions occidentales, ouais, islam, chrétienté, majoritairement, qui ne parle pas de réincarnation. Mais moi, la réincarnation, pour moi, ça me paraît logique. Pour moi, c'est recevable. Premier témoignage. J'ai un ami.
Il dit que son petit frère était souvent malade. Ils sont allés voir un devin. Le devin a dit que non, c'est le grand-père là qui est revenu. Donc, il n'est pas d'accord avec le nom que vous lui donnez. Changez le nom. Ils ont remis le nom du grand-père sur le petit. Il a commencé à bien se porter. Ça, c'est un élément. Deuxième élément dans la Bible. Les apôtres sont venus demander à Jésus. Mais on dit que le prophète Élie doit revenir. Est-ce que c'est vrai que le prophète Élie doit revenir? Jésus a dit oui, mais le prophète Élie est revenu, mais vous ne l'avez pas reconnu, c'est Jean-Baptiste. Mais regardez comment Jean-Baptiste est mort. On l'a décapité et on a offert sa tête sur un plateau en cadeau d'anniversaire à quelqu'un. Et Élie, qu'est-ce que Élie avait fait? Élie était en démonstration face au prophète de Baal. Ils ont fait une démonstration pour voir le Dieu de qui est plus vivant. Donc Élie, qui invoquait l'Éternel des armées, Jéhovah, il a gagné la confrontation et il les a fait décapiter. Est-ce qu'un homme de Dieu, tu as besoin de faire décapiter des gens parce qu'ils ont perdu un pari? Donc, certains, selon certains chercheurs mystiques, c'est ce Élie-là qui est revenu dans la peau de Jean-Baptiste et on lui a fait subir ce qu'il a fait subir aux autres. Voilà. Bon. Un autre élément qui parle de réincarnation ou de... Voilà. Moi, j'ai un oncle qui était malade quand il était petit. Sa maladie finit pas, il maigrit et tout et tout. Ils ont trouvé un devin qui lui a dit non. Sa maman était partie, elle ne faisait pas d'enfant, non? On dit oui, sa maman fait pas. Donc, elle est allée invoquer le génie de la rivière. Donc, le génie de la rivière, il a donné son ami. Donc, la grossesse, là, c'est le génie de la rivière qui a donné son ami. Donc, mon oncle, il s'appelle Théodore, mais spirituellement, c'est l'ami du génie de l'eau. Et le devin dit que, est-ce qu'elle allait remercier le génie de l'eau, là? Elle a pas remercié. Donc, le gars, il est venu pour reprendre son ami. Donc, on dit, ouais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, allez le remercier avec un mouton. Ils sont allés remercier le gars. Ça n'a même pas fait 3 jours. Le gars qui ne mangeait pas, là, il a commencé à manger, il a commencé à courir partout, ses cheveux ont commencé à repousser. Bon, maintenant, pourquoi les gens condamnent la réincarnation et quoi et quoi? Bon, il se peut qu'il y ait de la manipulation. Parce que dès lors que tu condamnes, tu acceptes la réincarnation, tu ne vas plus avoir peur de l'enfer éternel. Là. Tu ne vas plus avoir peur de l'enfer. Si tu n'as plus peur de l'enfer, il y a des prêtres même qui n'auront plus autorité sur toi. Parce qu'ils tiennent leur autorité sur toi par la crainte de l'enfer. Parce qu'il y a cette hantise-là. Personne n'a traversé pour aller de l'autre côté pour venir nous dire ce qui se passe. Donc, il y a ce point d'interrogation-là qui effraie tout le monde. Moi, vous, les prêtres. Tout le monde se demande ce qui va se passer après la mort. Donc, dès lors que toi, tu adoptes la réincarnation, l'enfer éternel, le feu qui ne s'éteint jamais et qui brûle dedans, tu es dedans, ça te brûle pour l'éternité. Dès que tu sors de ce schéma-là, il y a des trucs qui ne te font plus. Ça ne va plus t'effrayer. Oui, si tu as commis des impudicités, tu es allé à l'enfer. De toute façon, l'enfer n'existe pas. Je commets, après je vais me corriger. Et puis comment empêcher quelqu'un qui a atteint un stade de Jones, comment l'empêcher de grès? Tu commences à relativiser. Dès que tu relativises des choses. Bon, voilà ce que je peux dire. Pour moi, c'est une réalité et c'est même logique. Voilà. Mais si on admet ça, ça fait tomber toute une doctrine qui a été enseignée pendant des années, basée sur la peur de ce qui vient après la mort, basée sur la peur de l'enfer, peur sur laquelle les gens se basent pour maintenir leurs fidèles captifs. Donc, il y a des gens qui ont peur, s'ils ne donnent pas ma dîme, Dieu ne sera pas content. C'est-à-dire, on leur a prêché un Dieu coléreux et terrible. C'est ça qui les soumet. Qui est impitoyable. Voilà, il y a des gens même, tellement, quand il trompe sa femme même, il a l'impression qu'il va aller dans l'enfer. Bon, c'est un moyen de retenir, de discipliner les gens. Merci pour votre écoute. Moi, j'aurais aimé que d'autres participent pour apporter sur leurs expériences. Comme l'a dit Bois Kouassi, personne n'est en position de sachant. On partage les expériences pour améliorer mutuellement notre compréhension.
et puis pour progresser spirituellement ensemble. Merci à tout le monde. Le dernier mot revient à Boakwasi. Alors, je vous remercie infiniment pour votre participation. Pour vraiment, vous avez en plus, on a parlé pendant trois heures de temps. Trois heures de temps, c'était vraiment, moi, c'est passé vite devant moi. Mais vraiment, on vous remercie d'avoir été là et puis on se retrouve dans un autre live pour d'autres sujets. Demain, n'oubliez pas l'émission Le Baobab à 13h, heure de France. Voilà, on va parler des élections qui arrivent. Et comme on vous a parlé même, on vous a dit la semaine passée que les choses vont commencer à devenir bizarres. Étrangement, aujourd'hui, il y a des choses qui ont commencé à se passer déjà, qui mettent déjà le pays sur un pied. Donc, on va en parler demain, cette histoire d'élection et machin et tout ça là. Comme quoi, hein, des fois, on parle des choses quelques temps avant et puis voilà, c'est en train de se réaliser devant vous. Prêtez attention. Bonne nuit. Merci beaucoup.